Ouais, yo chat! Bonsoir! En retard, maintenant regarde, je suis là! Bonsoir Psysti, bonsoir Coralie, bonsoir Altaïr, bonsoir Dan, bonsoir Online, bonsoir Didi, bonsoir le Beben, bonsoir Karine, bisous, bonsoir Silo, et bonsoir Kawa! Comment que ça va? Regardera plus tard! Salut Padricoque! Mais qui s'est garé là? Salut Kiki, ça va et toi? Ça va, bonsoir Sup, bonsoir Otélie. Salut Wolf, salut Seitou, salut Radeuse, comment on va? Salut Lilian. Ouais, ça va, ça va, ça va. Merde. Jean Val. C'est Doris. Salut Malco.
32 code 4 sur le 1048. Biscuit. 37, bonsoir. Biscuit, bonsoir. Ouais, Biscuit, bonsoir. Moi la GTX. Allez. Bonsoir, allez, bonsoir. Ah bonsoir. Elle est où Adams là? Bah, elle a pris un D6 je crois, non? Ouais c'est la de l'URI en D6. Allez en D6, c'est terrible. 0-1-17. Super. Elle a dit que ça avait été long son D6 ou pas? À la radio. Ah oui, ça vous est pas à la radio, putain. Oui, bonjour. Et bonjour. Bonjour. Oh, le sauf, faudra que je te parle aussi après. Ah, ouais. Qu'à te dire. Ok. Madame 32, on est 1,3 km, dernier véhicule volé. Autant dire, ça chauffe pour ton cul. Ça marche. Bonne année. T'étais là hier ou pas, Tolson? Il était ici, vous pouvez vous rejoindre aussi si vous voulez. Allez, 4. Je te fais topo. On s'est 4 agents pris en otage, machin, tout ça, tout ça. On a arrêté, de toute façon, ils étaient démasqués, c'est con. Après, ils ont une autre prise d'otage des Lost. Donc, la première c'était Collins et Gacha Mendoza. Et l'autre c'était les Lost et ils ont scarifié un M sur le crâne de Anderson. Oh. En gros. Quoi? Ouais. Donc, quand tu regardes les mandats de pénitencier, tu vois. Oui. Complicité de la torture de la Barry, en gros, c'est ça. Ok. Ah, ouais, d'accord, j'étais pas au courant de ça, moi. Est-ce qu'on va commenter le fait? Ça le pour dire qu'ils ont entendu des tirs sur 70-79 sur Vinewood. Tu peux décrocher pour aller voir. Oui. Je répète, donc, le voilà. 70-79. Oui, est-ce qu'on va commenter le fait qu'ils aient pris moins que nos deux trous de balles? Oui, là, oui, ça c'était commenté. Adams, bah venez, non? Un truc, vous savez, le débrief là. Et de B, on peut passer en. Non, on va faire un premier débrief, venez. À la 32, on a le 10-26 qui se sent bien. Oui, à tout de suite. 4. Donc en gros, voilà, après et oui, bonjour. Décision du bureau du proc, on a quelqu'un à côté. Mais... J'étais en train de parler, si vous pouvez finir. Ouais. Je peux laisser finir, ouais. J'ai jamais avoir la fin de débrief. Et en gros, voilà, et bon oui, 100 000 $ pour le mec grave un M, et nous, en soi, on s'en sort un peu en vie, ils s'en prennent pour 200 000 $. Voilà, et pas de perquis, rien du tout, bien sûr c'est compliqué. Ok. Et voilà. Et je pense que la personne de la gauche s'en occupe très bien. Commandant, tu peux vous parler une minute concernant la police de Fémois? J'aimerais aussi voir... le commandant du syndicat... J'ai mal compris du SMED. Vous aussi vous en occupez, vous en faites pas. C'est après le truc d'après, mais... Dis ça qu'on est SAC et nous on est... Non mais le... ça. Et de quoi ça? Vous avez, on m'avait dit que c'était pas à 20h30, que ça serait après la conférence au final. Vous êtes vous êtes pressé ou ça va encore? Non. Vous répondez pas tous en même temps, merci. Moi, ça va. Moi, je viens d'arriver, donc c'est ok. Ok. Moi, je vais voir un tout bib après, mais je décale. D'accord. Ouais. C'est juste pour écouter vite fait la conférence de presse, voir juste si tout va bien, et après, je suis à vous. Et après, on discute un peu de ce qui s'est passé hier. En attendant, je vais m'occuper d'Olson. Et désolé, parce que hier soir, j'ai pas eu le temps de m'occuper, mais après, il y avait toutes les procédures et tout ça. Vous avez tous 18 et vous avez bien fait. Mais après, on en parle de ce qui s'est passé hier. Ok. Vendu. Ok. Allez, j'arrive. Allez, viens, Olson. Ouais, j'écoute juste. Oui. Vous faites quoi là? Le Quinton. Yo, Star. Ah, vous faites le débrief. Pour le... On attend, ouais. Ok. Ça va, toi?
23 RS pour le moment. Voilà. Ok. Adams. Ça va. Ok. On va le climat de dit. Bien détendu cet après-midi, donc on a fait un peu des trucs. Ok, ok. Moi, le seul truc que j'ai fait, c'est perdre mon permis, donc forcément, je suis off ce soir. Bon, tu peux faire passager en théorie, mais bon, après, pas obligé de travailler non plus. Un peu de marée, Clinton. Ça marche aussi, oui. Je finis pour être donc je ne prends pas mon service ce soir, c'est ce que je disais. Ok, ok. Ah là, je suis rentré un peu énervé. Non, 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 et il s'avère que 240. Ouais, je comprends, je comprends. J'ai perdu, j'étais voir les médecins, moi j'ai perdu. J'ai des acouphènes pendant la nuit et tout ça, parce que M. Collins a gueulé pendant une heure dans mon oreille, donc t'es méga folle. Vous avez dit quoi, commandant? Mais pour l'instant, les médecins ont dit qu'il faut recontrôler, mais ça va bien du coup. Oui, j'avais pas entendu, excusez-moi. Oui, y'a aucun problème, on va vite pas côté 3 euros. Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va, oui. Est-ce que vous êtes sûr de cette déclaration? Oui. Ok. Vous avez bien bouché. Donc, comme je l'ai expliqué à tous les agents qui étaient sur zone, et j'y tiens plus que tout, sachez que la négociation, malheureusement, elle a été ce qu'elle a été. Sachez qu'il y a aucun moment, la vie des agents compte moins que du matériel de police. Malheureusement, le son de cloche, la communication entre la négociation et le lead-up ont très mal passé. Et donc, on crée des situations plus dangereuses pour vous, et je m'en excuse. J'ai une chose à dire, commandant, je vous fais confiance à vous qu'à l'ensemble du LSPD. Donc. J'avais pas trop de doute à ce que ça se termine bien. Oui. Le véhicule est parti. Après, ce que je me suis dit, c'est qu'il y a peut-être eu des. Je vais l'arrêter deux secondes. Il y a eu des incompréhensions entre les deux négociateurs. Ouais, non, mais il n'y a aucun problème. Sachez que si vous avez besoin de prendre du temps pour vous, c'est totalement naturel et vous pouvez totalement. Si vous souhaitez rester en service, il n'y a aucun problème. Ça me va totalement. Sachez qu'à l'heure actuelle, je préfère avoir des unités qui se reposent et qui me reviennent fortes et en forme. Yes. Plutôt que des agents qui ont la tête ailleurs et qui ont peur de faire de la merde ou qui ont encore des séquelles de ce qui leur est arrivé. Moi, vous inquiétez pas, j'ai pris un peu de repos cet après-midi, ça devrait aller. Ok, je suis tout autant que vous passé par là et sachez que, comme je l'ai expliqué, j'avais déjà eu des remontées par rapport à la situation que vous aviez vécue. C'est pour cela que j'ai pris la négociation sur la deuxième partie. Et que j'ai été plus que trop conciliant avec ces enculés de Lost. Et que s'il le faut, j'irai raser leur corps moi-même. Et j'ai mis déjà tout ce qui était en place pour que justice soit faite auprès d'eux. Ok. Voilà. Ça marche. Sachez aussi que, en tant que. Parce que, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas en tenue ce soir, je consacrerai le maximum de ma soirée à être présent pour les unités en tant que responsable du syndicat. Yeah. Et que j'invite tous les agents qui estiment que les décisions de justice ou quoi que ce soit de la soirée hier soir. Ont été préjudiciables pour les agents à venir, puisque je tiendrai une conférence de presse au nom du syndicat pour dire qu'à l'heure actuelle, à Los Santos, vaut mieux graver un M sur le front d'une personne que de prendre en otage dans une supérette. De toute façon, c'est pareil. C'est-à-dire que la violence n'est pas punie. Ouais. Bah, malgré que c'est de la complicité et que ce n'était pas pour l'acte en lui-même. C'est quand même. Il faut marquer le coup. Même... Voilà, c'est quand même une. Stone, ce serait un agent de police. Et puis voilà quoi. Ouais, on est d'accord. C'est une information. Okay. Donc voilà, à ça je parlerai juste encore d'autres choses. Mais je parlerai principalement du poste. Et voilà. La conférence de presse a déjà commencé, ok, parfait. Je suis en train de tout louper, c'est super. Allez-y, commandant. Oh, mais il n'y a aucun problème. En tout cas, Val, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous avez mon numéro. Si vous voulez parler, je prendrai autant de temps qu'il sera nécessaire pour vous. Ah, ça tout comme pour n'importe qui d'autre au sein du poste de police. Ça marche, merci beaucoup, commandant. Mais de rien, merci à vous.
Ah, je veux, commandant. On est en route, on est devant le LSES. C'est con, ils ont deux messages à rendre. Il y en a un qui va pas gagner. Non, il manque pas quelqu'un là du coup. Cool. C'est pas Sigur Sen qui faisait la négo hier. Mais de BE, on va essayer de se rapprocher du véhicule volant. Si, oui, il est peut-être pas là ce soir, ça arrive. Tu casses 224. Qu'elle parle avec lui donc. Pour le moment, 10-5, on est à 3 km. De quoi? Qu'elle parle avec lui, il y a du gros. Il y a ceux qui sont arrivés entre temps. Salut Lily, salut Tenchia. Bah, je sais pas. Je suis en train de manger en même temps. J'ai confondu, c'était Harper en fait à la négo. Jusqu'à bon soir. Ah non, c'était Sigur Sen. C'est l'explicite, Bénis est parti de direction première, merci du report. Non, 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 c'était bien Sigur Sen. Merci, hein. Il avait il avec lui en protection. Merci à vous. Je les avais bien reconnus au final. Même s'il était sapé comme un gangsta avec son gilet et les Speedy, comme Collins. Et je savais pas ce qui était arrivé à Anderson. Tu manges quoi, Kawa? On l'a pris après aussi, mais. Je l'ai appris en arrivant là. Non, il s'est fait, oui. Ravé à M sur le front, donc. On ira raser leur putain de camp de merde. Ouais, mais... T'as vu Val, j'ai fait du shopping. Salut Meloche. Ah ouais? Et de très bien, j'étais quoi? Ça te va bien. Hein. 2-0-1 devient Luffy 3-0-1, félicitations lui. Bah, préfère une chemise normale. Mais... Félicitations. 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 Quoi? Félicitations. Il y a Austin qui est passé au Officier 3. Merci à tous. Félicitations. Ah. J'ai pas la radio, je suis off service. Je suis allé à l'auto-école pour essayer de truander, il m'a dit. Comment ça des bonnes sons? Reviens dans 3 heures, frère. 3-0-2, vous pouvez me rappeler TPH, merci. Oui, d'accord. ~240 avec le Rebla GTS hier, en rentrant. 240? Ouais. Toi, t'as perdu le permis? Ouais. Je pensais pas, de toute façon il fallait pas que je heurte un truc parce que sinon j'allais sur la voie lactée. Ouais, c'est... Madame 32, oui, j'ai volé. Sur fourrière et retour en patrouille. Ouais, 10-4. J'ai cru que c'était pour nous là. Ah, tu verras, c'est bon, les bonnes sont vrai. 32, 19. Allez, ville. Moi, je mangeais un bœuf bourguignon. Hein. Et Tango 19. Avec les petits champignons. Allez, soyez vite. Adam 32, 10, 23, PDB. 10, 4, Adam 3. URI pour le braquage de pharmacie sur Clinton. 31 sur la plus 1. 10, 4. Il a bouché, il a mangé un truc. Ils sont partis à 3, ils reviennent à 2. Je crois qu'il y en a un qui a eu un accident qui est tombé, de ce que j'ai compris à la radio, donc du Tango. Ouais, il y a eu un accident, donc il a mis au LSS. On a revu la gueule du Tango, c'est Moya. Vert dans la juridiction LSPD. Je pense, si. Allez, ça, Steph! Adam 3 pour aller vers sup, on est à 300 mètres. Allez, 10-4. Il aurait perdu visuel vers le. BCSO pour aller sur sup. Ah, nous suivons une 17 veste dans votre juridiction. Demande de 10-24 en 30-64 direction sud-ouest. Ah, bah non, il est là.
Théo, merci beaucoup pour ton 20ème mois, bienvenue à toi, merci beaucoup pour le soutien. URI code 4. Et bonsoir. 10-4, vous pouvez répondre, raccrocher sur BSS ou pas? Et la 17 a fait 2 mètres. Bonjour, en soutien, j'ai pas entendu. Ah, bonsoir, les gars. 364. Savoir si tu es disponible pour le call BSS ou. SP 10-4, on regarde notre côté. De URI, on peut raccrocher. Scott, allez-y, annoncez-vous ce comme. Je fais. Perte de visuel 73-55 direction nord. Reprise de visuel 73-55 direction nord. 227-16. 16-4. 16 aussi pour 32. 5 minutes. 4. Et 2B, on prend les chances bouche 82-22. 13-4. Au niveau de la Palomino, derrière la supérette Palomino en direction sud. 3-10-48 à la supérette 470-93. Oui, je finis avec le maire, je suis à vous dans 5 minutes. Oui. Au niveau de la fouet. Et disquette, Zorik. J'ai 50 de l'individu, ça continue. Toujours au niveau de la fouet, on prend direction la mine. Il a dit qu'il finissait son coup de fil et... On est en 92-60 niveau Siri. On est en 93-19. T'avais vu 0-2 et Arthur je sais pas du tout, c'est des zappés. Il était devant, il y a 2 minutes. Ouais, bah c'est ce que je me dis, je vois que c'est en PDP, mais je vois pas où du tout. Du coup, ils sont peut-être. Vous êtes visuel. Vous êtes dans le bureau BE ou autre. Ah, d'accord, moi je sais. Ensuite, direction garage P en SSP. Ouais. Oui, sergent, vous allez bien? Ensuite, direction garage P. Vous êtes où? Je vous cherche. Finit sa petite convocation et on part ensemble. Nickel. Ok. Et on reprend en nord 92-71. Félicitations. Merci, Aventis. Oui. Ah, t'as oublié de changer l'uniforme. Ah, oui, félicitations. Ah, oui, bah tiens, j'en profite. Eh bah oui. On prend en nord niveau du permis. Et ouais, station service à Stekas. Puis ouest. Et on reprend nord pour monter Pôle emploi. Ouest, Ammunition. Puis sud. Demi-tour et reprend nord et puis ouest au chantier. C'était qui le lead OP hier soir? Commandant. Commandant. Il n'a plus avoir d'essence à mon avis depuis le temps qu'on est en 10-31. 10-4. Après j'aurais quand même voulu avoir la Nego, parce que Nego, j'ai l'impression que c'est Nego le lead OP qui a eu un problème à un moment donc. Non, je crois qu'il sera pas là. Ça serait bien de parler, oui. Mais parce que sinon, on va juste reparler de ce qu'on a fait hier soir. Après, il y a peut-être Hill qui peut expliquer qu'il était avec lui. De thème nord. 27, fin de 16. Respect 27. Nord, mairie. Une tour à la mairie.
Bon, bon. Speedy pour PCSO, c'est par deux pas... Vous n'êtes pas déjà, déjà avec quelqu'un, je pense pour y partir les deux, 27 et 41. Bah après, c'est pas maintenant qu'il faut dire qu'on n'est pas content. Non, pas tout de suite. Je crois que c'est pas tout de suite. Non, déjà, on va avoir un débrief, bah, c'est passé hier soir, nous, de l'autre côté, puis après on verra. Mais... Bah, le commando, il a dit 21h quoi. Oui. Je reprends parking. Moi, je peux pas partir en patrouille direct parce que j'attends des nouvelles de soit 02 ou RP. D'accord, pas de soucis. Puis est, on va arriver au parking rouge. Sud devant le parking en face du parking rouge. Reprend nord sur Peaceful. Nord Arcadius. Est Rockford. Sud. Sur Power Street. Prends le petit chemin en direction ouest par Rockford. Ouest pharmacie LSS. Sud sur la Palomino Avenue. On est en 72-71. Nord LSS. À l'église, on reprend Est. Sur la week, on reprend Est. La banque. Sud Rockford. Dans le Rockford, on reprend Est, puis on sort Nord. Nord du Rockford, du fait demi-tour. On va ressortir Est. Ah, 01, on prend le dernier distributeur 456. Yes, 4. On reprend Nord, Awick, Ouest. Et prend 2, fin 16. De BE, on a une Adam disponible pour un flag à la page. 3-10-5 au PDP. Adam 01 10-50. Qui est ouest devant tout va bien. Le garage. 3-10-4, on arrive sur véhicule, un Wick Coiffeur. Puis on reprend ouest. Est, pardon. Le URI demande autorisation de pit, la CP dure plus de 10 minutes. 3-10-4. On est au niveau du Lamination, direction ouest sur Spanish. BE, toujours besoin de 10-24 10-4 si on reproche le véhicule, oui. 50 du véhicule en 71-39. Madame Zerut, on raccroche. Allez, 10-4. Et 2-3-10-6, 5-10 minutes. Allez, 10-4. Dame 0-4-4. La commune et sa SP indisponible jusqu'à 21h30. Si, c'est bien pris. Et bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir. Tu as arrêté 6 minutes après le commandant. En 71-39. 10-4. Ah mais du coup, vous votre débrief il tombe en même temps que la conférence de presse du syndicat. C'était censé être 20h30, bon, mais le commissaire on a déjà une demi-heure de retard, un peu plus, un peu moins. Ok. Oui non, parce que nous, il y a le commandant avec le syndicat qui a organisé une conférence de presse pour dire qu'on n'est pas content des décisions. Non mais il m'a dit aussi, on est on verra après s'il faut. Ok. Bah ça, d'après ce qu'il m'a dit, là, c'est 21h. Mais là, c'est le commissaire, c'est 20 minutes, il nous a dit j'arrive dans 2 minutes. Ah ok. Donc... Thank you.
Et la personne a sauté son véhicule. Ah d'accord. 10-4. 10-20. En face le supérette. Qu'est-ce que quoi plaquette. 10-4. Vous avez le visuel sur sa voiture? Et au bout de la rue, devant le PDP. Ah, 10-4. De 10 48 en 80 90 devant le véhicule 4 4 C'est vachement calme. Ça va, Val. Ça va, Adams. Ah, on a perdu Adams. Pardon. Yes, allez, bonne soirée. Je veux savoir comment vous sentiez, mesdames. Ça va, ça va. Profiter de l'après-midi un peu pour faire autre chose. C'est bien détendu avec Kava puis notre ami. Puis du coup, ça va mieux, ça change d'idée. Et de 14 pour la dame, je vous ramène son véhicule. Disquette, mettez-le sur le parking à côté. Ouais, disquette. Vous avez tous participé à la conférence de presse? Pas que, on attend notre débrief. Ah bah, nous, on a eu le au-dessus de la supérette. T'es au tâche hier, lui. C'est bien passé? Pas trop la merde? Disons que c'est pas bien passé de côté Nego et Lead-Up, puis on voulait mettre les choses au clair. Donc... Bah, vous êtes bien, c'est important. J'ai l'impression là, en fait que les G36 elles valaient plus que l'OVI, donc. Ouais. Après, vous aviez accès à la radio? Pas une fois que les fréquences ont été changées. J'avais gardé la mienne. C'est moi qui ai fait les annonces. Je voulais faire passer le père Collins, mais une fois que les radios ont été changées, c'était silence radio. Ok, parce que de notre côté, je vous assure que d'après ce qu'on a entendu en radio, c'était pas le cas, quoi. Après, on est resté 45 minutes sur un pied de grue alors que ça aurait pu en durer 10, quoi. Et qu'à la fin, je peux t'assurer que c'est pas passé loin. De 14 pour les personnes de PDP, on a un procureur qui s'est endormi dans nos cellules si vous voulez le chercher. Vas-y, 4 j'y vais. Et Adam Zeron, on se rend sur le distributeur 7001. Upair. On peut se mettre dedans hein, aussi, mais. Oh, regarde, encore mieux. Après, Clinton, t'es vraiment le seul qui a un toit au-dessus de ta tête, quoi. J'avais même pas fait gaffe. Oh, je suis un vrai connard. Ouais, c'est vrai. Oui.
Ah, merci Adams. De 37-17. Discat, bonjour. Discat, bonjour. De 14 pour 40, il y a un monsieur à côté qui attend. Allez, venez, excusez-moi, j'ai été très long, venez. Y'a pas la... commissaire ? Du syndicat, mais là je... Ça c'est... Je gère pas le syndicat. C'est pas chez moi. Bon, alors... j'imagine que vous avez des questions hier un petit peu, ou quoi que ce soit, donc voilà. Je vais vous écouter puis, je répondrai aux questions que vous posiez si vous en avez. J'imagine que vous en avez. Madame Zéro, on prend le magasin 8221. Ok. Allez, je me lance. Alors, des interrogations, oui, même si le commandant Lamb y a répondu tout à l'heure rapidement sur la lenteur des négociations. Vous pouvez venir lors de la conférence de presse, je vous inviterai passablement énervé. Sur scène derrière moi. Réacteur radio. L'artiste est qu'on avait dans le dos. Jusqu'à vous avez un horaire. Sachant que ça aurait pu entre guillemets être réglé en 10 minutes et que au final on est resté 45 minutes otage. Une madame pour aller s'appelle régler en 10 minutes. Chercher monsieur Mathieu Place pour des comment pour toi de ton point de vue. En soi, quand il a annoncé qu'il était là juste pour les cartes de police, il l'a annoncé quand même. Enfin, nous l'a dit, je sais plus s'il l'a fait en radio ou quoi que ce soit. Globalement, il y avait un monde où il y avait peut-être un chemin ou un terrain d'entente à trouver un petit peu plus rapide, je suppose. Et que globalement, en fait, ça n'a fait qu'envenimer les choses. Et que globalement cette fixette sur les G36 ça fait que plus ça va plus il se tendait et plus ça devenait imprévisible en soi. D'accord. D'autres pour le même ressenti ? C'est pas passé comme ça, c'est vrai que quand on est sur place, on a l'impression que les G36 avaient plus de valeur que notre vie, tellement il a essayé de les récupérer, alors que c'est que des catégories 3, s'ils en veulent, ils n'ont pas de problème à en acheter, donc une de plus, une de moins. Je te rappelle. Hop, ta gueule. Il a pas eu le temps. C'est rien, c'est Panda. Et le deuxième sujet, c'est... Non, attends, 30, vale. J'ai pas grand chose à dire moi pour le coup. Okay. Alors on va mettre tout de suite ce sujet là déjà la négociation, comment ça se passe. Négociation c'est long. En plus connaissant l'animal, déjà, voilà. Du coup moi je suis pas intervenu dans la négociation parce que c'est pas toujours moi qui vais intervenir. Même si vous êtes là, hein, attention, hein. Qu'on se le dise. Aujourd'hui, pourquoi il y a eu vous avez eu le ressenti d'une fixette avec les G36 ? Le truc qu'il y a, c'est que aujourd'hui, on aurait dit qu'ils étaient masqués. D'accord ? La négociation a été passée masquée. De monsieur Collins et de monsieur Guacamole. Comment il s'appelle déjà ? Chamendoza. Ouais, voilà, Guacamole. Du coup. Il a arrêté avec masqué. Largement, il partait avec les G36. Et la libération se faisait. Donc là, pas de souci. Le problème, c'est que du moment où on sait que d'un coup, c'est... on sait qui c'est. Une fois qu'on vous libère, qu'on les a laissés partir, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse ? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on va devoir, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait ? Si on les attrape, c'était pareil, sinon on perquisition. Ok.
Donc, du coup, la perquisition. Il faut lui faire un dossier, mais bon. Non, non, non. Et oui, oui, déjà, oui. Vous pouvez me lâcher avec les dossiers. Ok, on fait un dossier, perquisition. Vous croyez qu'on va rentrer comme ça? Sincèrement, vraiment, c'est pour ça que je j'amène pas sur le fait que le matériel est plus machin. C'est pas une question de ça aujourd'hui. Et je vous réponds que parce que Sigurdsson n'est pas là. Et Sigurdsson aujourd'hui, il a pensé aussi à l'après. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils ont pas lâché sur les armes. On se le dise. Les cartes, on s'en foutait. Hein. On se le dise. Oui, d'accord. Les cartes, on s'en foutait. Mais par contre, là, j'ai 36, ça nous pousse à aller sur une perquisition dans un quartier de gang dangereux où, et je peux vous préciser, parce que j'ai le chef le chiffre au téléphone, qui a eu le numéro 2 Regman, qui était tous armés et prêts à en découdre hier soir. Donc possibilité aussi qu'il y ait des morts de leur côté comme des nôtres. Vous voyez pourquoi Sigurdsson... Alors, aujourd'hui, il n'est pas là, malheureusement, parce que, en principe, c'est pas moi qui aurais dû parler, vous auriez dû parler avec le lead-up. Et moi, j'étais là pour aussi vous écouter et entendre ce que vous aviez à dire. Il n'y a pas de souci. Attention. Hein. Bon, moi, j'ai eu Sigurdsson vite fait hier soir au téléphone, parce qu'on a fini... Quoi, hier, parce qu'il était avec nous en procédure, on a fini à 2h du matin. Mais voilà pourquoi le négociateur, il a pensé aussi à ça. Ce qui est pas du tout... déconnant, vu que dans la situation où vous êtes, ça se tient. Alors je peux comprendre que bah c'est pas agréable. Pour l'avoir connu maintes et maintes fois, c'est pas agréable de se taper ou une AK-47 ou une G36, hein, une arme sur la tempe. Mais le négociateur aujourd'hui a réussi à avoir ce qu'il fallait. Voilà, ça c'est de mon point de vue, est-ce que j'aurais fait ça? J'en sais rien. Parce que j'étais pas à cette position-là. Est-ce que si j'avais mis un autre leader up, est-ce qu'il aurait fait ça? De toute façon, aujourd'hui, je leur faisais confiance. Est-ce que pour vous, dans ce côté-là, vous comprenez le leader up ou pas du tout? Le négociateur. Étant donné que... Oui, c'est vrai que la solution peut paraître bonne en soi, puisqu'on connaît le résultat. Donc oui. Non, c'est pas ça que j'essaie de vous faire, machin. Est-ce que vous comprenez qu'il faut aussi calculer l'après? Toujours, même dans une négociation? Où est-ce que ça peut nous amener? C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Une négociation, elle se fait sur de l'improvisation, on va pas se le cacher. Hein. C'est bon, hier soir, c'était clairement un concours de bingo, hein, de ce qu'on a compris. Hein. C'est cartes Pokémon, voilà. Mais vous devez voir aussi après ce qui peut arriver sur la suite de tout ce qui peut emmagasiner tout ça. C'est surtout ça aussi que j'essaie de vous faire comprendre. Et pas que c'est votre faute ou quoi que ce soit, même s'il y a eu deux, trois petits trucs, voilà. Et ça, c'est pas très grave. C'est la vie, ça arrive. Matériel, c'est pas... qu'ils prennent la bagnole de flic, qu'ils prennent... même s'ils n'avaient pas voulu, au bout d'un moment, lâcher G36, ça aurait été lâché. Hein. Ça aurait été lâché, j'aurais dit, barrez-vous. Aujourd'hui, il faut laisser le négociateur. C'est long. Ça, c'est sûr. Pour amener à ce que la personne lâche au moins des trucs, c'est long. La deuxième chose, vous voulez dire, Clinton? La deuxième chose, c'est... Et c'est un ressenti personnel, et globalement, je ne sais pas si c'est partagé, mais... J'ai passé la nuit sur ces paroles-là. C'était quand vous avez apporté votre carte commissaire. Oui. Et son discours à Collins a complètement changé. Et que globalement, je suppute que ça a été filmé par Weasel, puisqu'il était là. Mais que globalement, c'est là où ça a été le plus compliqué.
Bah, puisque je l'ai clairement entendu dire, bah de toute façon, si le commissaire s'en fout de vous, je peux vous mettre une bastos à chacun, et puis voilà. Et là, je vais pas vous mentir que ça a été compliqué. Parce que clairement, moi j'ai dit non, ça va pas se finir comme ça, tout va bien, tranquille. Donc, c'est pas s'en foutre en fait. C'est juste que en fait, je t'explique, je suis pas dans la négociation. Je suis pas leader op. Pas moi qui ai au mégaphone. Par contre, je donne le deal de lui dire, je lui donne ma carte, comme ça il sera content. Voilà, comme ça il a une carte de commissaire, il est content. Tu vois ? Il était content, hein, parce qu'il nous l'a montré, Ultime. 20 fois quand on l'a arrêté. Mais par contre, quand je viens la donner, je viens pas négocier parce que c'est pas moi qui est négociateur. Je viens pas couper la négociation entre le négociateur et le preneur d'otage. Je viens, je donne la carte, je m'en vais. Ça se change bien la récré. Après, que Collins fasse le pan comme il sait si bien le faire. Et à ce qui paraît. Alors, ça, après, on va en parler après, mais. De là, je sors de la conférence de presse, donc j'ai eu la question, de la vidéo, parce que ça a été filmé. Qu'on me dise que je m'en fous. Non, je m'en fous pas. Je viens, je me déplace. Il peut me shooter, là. Je peux mourir aussi, moi. Dans l'instant T. Hein. Il se fait un commissaire. Il gagne des points. Mais je viens, mais je viens pas couper la négociation. Je laisse faire le boulot de négociateur. C'est pas à moi de le faire. Par contre, c'est pas parce qu'il raconte des conneries, Collins, qu'il faut l'écouter, quoi. Parce qu'il en raconte beaucoup, hein. Il s'agit pas. J'entends bien, commissaire, et j'espère que la vidéo sortira. Parce qu'on était plus sur de la connerie, on était sur de la menace. De la vraie. Mais de la menace, il en fait tout le temps. C'est bienvenu dans le monde criminel. Il fait que ça, hein. C'est mon quotidien depuis pratiquement le 8 décembre avec lui. Hein. C'est menace sur menace. Il a déjà buté un ancien flic. Il venait juste de quitter du BCSO. C'est un criminel. Je sais pas, c'est pas un pote, quoi. Ils sont tous comme ça. Hein. Non mais ça, on a compris. Ce que je veux dire, c'est vraiment. Mais après, d'un autre côté, je suis désolé. À un moment donné, vous me. Là, j'écoute, hein. Ok, vous êtes pas bien. Si c'est pas fait pour vous, est-ce que je peux comprendre? Mais. Des situations comme ça, vous allez devoir en gérer plusieurs. Peut-être vous, de votre côté. Salut Yel. Et peut-être que, un coup, ce sera vous le négociateur, puis peut-être ce sera vous l'otage, hein, comme vous avez été hier. Mais ça arrivera, quoi. Par contre, si vous nous faites pas confiance, et de ce que j'ai compris à la radio, sur la vidéo, il y en a qui ont dit plein de choses sur la vidéo. C'est-à-dire ? Je sais pas, c'est ce que le journaliste nous a dit. Je sais pas qui a parlé. Hein. J'ai pas vu la vidéo, elle va te sortir. Voilà. Oh, j'ai parlé de porte. J'ai dit carte Pokémon. Vous avez gardé vos sang-froid ? Vous ne m'avez pas fait confiance ? Si vous nous faites pas confiance à nous, parce que nous, notre but, c'est de vous sortir de là-dedans. On est d'accord ? Comme on l'a toujours fait. Comme on a fait encore hier soir. Si vous nous faites pas confiance, on sait où on va. On sait où on peut lâcher du lest. Hier soir, on est d'accord, si je te suis, Clinton, il n'y avait aucune confiance au négociateur, aucune confiance au leader op. On n'a pas dit ça, vous, j'ai pas dit ça. Si je t'écoute, ton ressenti, c'est que tu sentais que on voulait rien lâcher. J'ai votre explication, maintenant, c'est... Voilà, j'avais pas d'explication jusque-là, commissaire. Oui, mais tu fais pas confiance aux gars qui sont en face avec toi, qui font tout pour sortir. Sinon, j'aurais pas fait d'appel radio 10-24, enfin, je veux dire, bien sûr que si, commissaire. Ça va, ça. C'est pas ça le sujet. C'est pas ça, je suis désolé. C'est quoi le sujet? C'est le sujet, c'est de comprendre le pourquoi du comment. C'est pas une question de manque de confiance.
Ah, c'est juste essayer de comprendre le de comment tu l'amènes, c'est plutôt si un manque de confiance envers. On a l'impression que le matériel était plus important. Bah, parce que c'est ce qui transparaît quand on sort d'une heure de PO avec uniquement les échanges de ping-pong qu'il y a eu entre Collins et le. Bah, d'accord. Et le mais après vous êtes parti. On n'a pas eu le temps de discuter. Rien du tout, pas un appel. Mais j'ai pas eu le temps de faire machin. J'ai pu discuter avec le lieutenant. J'ai pas eu le temps de discuter avec Adam. Et on a même pas eu le temps, vous avez 18. Nous avez même. Alors, je dis pas. Vous pouvez... J'étais sur la pénitentiaire avec vous. Après, oui, voilà, mais après, on était partis à droite, à gauche. Mais à un moment donné, vous pouvez me dire faut qu'on parle, faut que je comprenne. Oui, il y avait le débrief ce soir. Et derrière, il y avait une autre PO. Je l'ai marqué très tard, le débrief. Hein, et il était quelle heure? 23h. Oui, 23h30. Je crois qu'on sortait de l'autre PO. Cela dit, encore une fois, le but du négociateur, c'est de sortir, de vous sortir de là. Et après, peut-être un jour, je préfère vous le dire, peut-être un jour, ça arrivera, il y aura un assaut. C'est une possibilité. Comme il y aura un assaut un jour dans une banque. Aujourd'hui, pas vous dire que ça n'arrivera pas, ça arrivera. Peut-être que ce sera moi, hein, peut-être que vous lancerez l'assaut alors que ce soit moi qui vous ai pris en otage. J'accepterai. Oh, c'est dur. C'est arrivé il y a 2 mois, du coup. C'est dur à entendre. Hein. C'est arrivé, oui, quand il a fallu qu'on aille chercher Baxter sur Caillou. Un jour, ça arrivera. Aujourd'hui, on est la cible quand on porte l'uniforme, et ça, on le sait. Attention, il n'y a aucune remise en question ou quoi que ce soit. Je vous sermonne pas ou quoi que ce soit. Je vous amène à ce qu'aujourd'hui, le boulot, il est compliqué. C'est pas nouveau. Et des situations comme ça, on va en avoir plein. Puisque c'est la course à choper du flic. Je sais pas, apparemment hier il y avait un truc où s'il ramenait le plus grand nombre de cartes, il gagnait des points, etc. Je sais pas quoi. Mais les négociations qui étaient hier en la marine. Cours, il n'y a aucun moment où votre. Et je préfère le dire vraiment, hein, il n'y a aucun moment où votre vie n'a jamais été prise en compte. Votre vie passait avant le matos. Pour nous, bah ça sert à quand les gens demandent à l'agent de présenter sa carte, on lui montre et il y a le matricule. Il a fait de la négociation dure, parce que c'est Jojo Lastico qui va menacer à tout va, et qui va essayer de vous retourner le crâne, parce que ça, il sait bien faire. Je le connais, hein. Il va dire, ah oui, mais ils s'en foutent, voilà. Ils s'en foutent de vous, vous n'êtes pas important, ils préfèrent leur matos. Bien sûr qu'il va, lui, il va tout faire pour essayer de s'en sortir. Hein. Par contre, si vous tombez dans le jeu, bah ouais, compliqué quoi. Est-ce que vous avez parlé avec le commandant Lemb ou pas un peu? Vous avez expliqué un peu lui sa position parce que c'était lui le leader op. Non, j'ai appris à dire, juste avant qu'on fasse le débrief que c'était lui, donc on aurait pu parler. Il y a Sigurdsson de façon qui viendra vous discuter avec vous parce que lui ça y tient à cœur parce que c'était pas évident pour lui non plus la négociation, à ce que j'ai compris. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des gens qu'il faut que je mette en vacances? J'ai besoin de vacances. Moi, c'est ok. C'est ok. La seule raison pour laquelle je suis en civil, c'est que j'ai perdu mon permis hier. Donc, je vais juste aller voir un toubib tout à l'heure. Et demain, une fois que j'aurai mon permis, je reprendrai le service. Perdu ton permis, ça, Camille. Il me restait un point depuis 3 mois et demi. Bonne raison. Et hier soir, il a pété. C'est pas grave. Si
vous avez... Alors, le sentez pas que je suis... alors... chien, là, même si vous avez là, eu le sentiment à un moment donné où j'ai peut-être un peu haussé le ton, sentir que j'essayais de vous expliquer. Je suis un peu en colère contre... Je suis en pleine bataille contre le bureau du procureur qui ça me gonfle par rapport à la... aux décisions de justice qui sont tombées hier. Que je suis en train de me battre un petit peu voilà, contre tout le monde, surtout contre le bureau du procureur. Voilà, il n'y a rien de... Si j'étais... si vous avez senti que j'étais agressif, c'est pas envers vous. Voilà. Et envers la situation là, qui arrive là depuis... ce qui est arrivé hier et les décisions de justice qui sont tombées hier soir. Voilà. Je l'ai dit au commandant, je vous le répète, commissaire. Je serai le premier dans la colonne s'il y a besoin pour aller raser le quartier des Lost. Bah, je trouve ça inacceptable. Je trouve ça inacceptable ce qui a été fait. Typiquement, en fait, je l'ai appris. Je savais qu'il y avait une autre PO juste après à mon 18, mais je savais pas ce qui s'était passé. Et je pensais que c'était lié à ce qui nous était arrivé. Le fait est que ce qui s'est passé est inacceptable. La décision qui a été rendue est inacceptable. Et vous le savez, hein, on a déjà rasé les Lost ensemble. Hein. Non mais c'est pour non mais c'est pour ça que non mais il y aura pas de c'est pas nous qui allons nous occuper. Non mais on s'est compris. Mais ce que je veux dire par là c'est que à 100% derrière la colère qui est justifiée là-dessus, c'est inadmissible. Ah ça faut... après vous voyez Pandi Panda c'est fait. J'ai eu ma carte. Enfin j'avais déjà ma carte faite à la main et j'ai ma vraie carte là. Pour les décisions de justice. Alors les 5000 dollars, je sais pas à qui ils sont. Je pense que c'est pour le mec du Weasel. C'est pour le mec du Weasel. De toute façon, mais... si c'était fait pour nous en l'occurrence, moi je les réclamerais même pas. Donc, non, non mais voilà, c'est juste, je vous dis, moi j'ai trouvé. Voilà. Oh, ça, on n'a pas de dédommagement là. Oui. Bref, après ça faisait 200 000 à deux, donc bon. Génial. Même si je suis pas très fan, mais bon, voilà. Ça, c'est le bureau du procureur qui l'a décidé, c'est pas nous. Ouais. Mais voilà. Aujourd'hui, ceux qui vont partir en patrouille, tranquille, on vous met pas la pression. Si vous avez besoin de discuter avec les gars ou un peu extérioriser tout ça, j'ai pas réussi à le dire celui-là. Non, ouais. Si vous avez besoin de sortir ce que vous avez dans le ventre, là, voilà. Extérioriser. Ouais, non, mais voilà le truc là. Si vous en avez besoin, vous y allez et puis vous discutez un peu avec les gars et tout ça, tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais bien que voilà justement ce côté sang-froid revienne un peu. C'est pour ça qu'on fera pas, s'il y a une intervention sur les Lost, ce ne seront pas nous. Ah non, une thune. Parce que vous avez envie de les raser et c'est pas. Et peut-être vous ferez des erreurs que j'ai pas envie que. Qui pourraient vous coûter la vie. Ce sera pas le SPD qui s'en occupera. C'est dans le Nord quoi aussi, oui. Oui, accessoirement, mais s'ils nous demandent des patrouilles, je verrai qui c'est que j'enverrai. On ira supporter le travail du BCSO, ce sera notre façon d'agir. Voilà. Si vous avez voilà vraiment encore me poser des questions ou quoi que ce soit bah vous n'hésitez pas il y a le commandant il y a moi il y a le lieutenant qui est là Cole hein. Il y a le lieutenant Falk qui connaît ces situations et qui les connaît très bien donc voilà si vous avez des questions et Sigurdsson n'hésitez pas quand vous le voyez bah allez discuter avec lui. Il vous donnera son point de vue qui pourra être pour vous aussi très intéressant. Ok. T'as reçu. C'est bon ? Ouais. Allez. Et bah pour ceux qui vont en patrouille, bonne patrouille. Et bah, yes, bon courage à vous. Oui. On va voir les tout. Parfait. Quelqu'un qui fait une formation, Marie ? Parfait pour 15, c'est un topic. Bonsoir. Et bonsoir, bonsoir Franck, si comment allez-vous? Ça va et vous? Si, ça va. Plus dispo dispatch, du coup, sergent. Parfait, bah vous choisissez votre adam partner et vous y allez. Venez pas, 30 secondes. Ah oui, c'est vrai. Bah, 0, 10, 50, ah bah non, alors du coup. J'en ai pas pour long, Moya. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui. Comment ça va déjà? Ça va. Tu as dormi? Oui. Potentiel okay. 10-40 sur la super. Je voulais vous parler, c'est plutôt pour moi. Là, c'est plutôt pour moi, j'avoue. C'est voilà. Je voulais m'excuser par rapport à vous. Parce que pourquoi on s'est fait prendre en otage? C'est parce que j'ai été débile. Simplement. Ouais. Et parce que c'est trop avancé. Voilà.
Ouais, ouais, ouais. Et on s'est trop avancé, et au second où on s'est trop avancé, j'ai vu qu'on avait fait l'erreur, j'ai fait l'erreur. Donc je... ça c'est pour ma conscience, et vous dire que c'est de ma faute qu'on s'est fait prendre en otage, et que je suis vraiment désolé que tout ça vous soit arrivé, et même si vous dites que c'est pas grave, je m'en fous, je veux pas entendre ça, c'est ma faute, et puis c'est tout. Ah, je vous en veux pas, lieutenant. Oui, oui, oui. Pour moi c'est important de m'excuser, et comme ça ma conscience est tranquille. Y'a pas de soucis. Voilà. C'est juste, voilà. Et de toute façon, j'essaierai de plus refaire l'erreur parce que, bref, comme ça, on essaie de se mettre un peu plus loin et si on était aussi près, on se serait pas fait braquer. Au moins, on a envie, c'est le principal. Là. Oui, ça c'est sûr. Bon, là. Bon, je vous embête pas plus. Ouais, ça marche, merci lieutenant. Bonne soirée. C'est 39. Et 37, vous avez des rougeurs. Ah oui. Ah, c'est good, du coup, c'est bon, je dis pas. D'accord, 26, 30, c'est bon, vous pouvez partir ensemble, ça vous va? Super, merci. Ouais, go. 39 et... 39 peut-être, en gros. Et 13 ici. On peut prendre quoi 39, tu veux partir, mais prenez ce que vous voulez. Votre véhicule préféré. Vous conduisez ou je conduis? Et vous me le mettez à jour sur la ligne et c'est bon, vous êtes tranquille. Je viens de me défouler, j'ai bien le roulé. Fouler la peau au volant, mais... Allez-y, allez-y. Hop. Ah bah elle a déjà été prise celle-là, on prendra... Tocqueur c'est dispo dispatch, on est d'accord? Ouais 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 ouais, let's go, j'attends que ça. Il y a tout ça. Après on peut échanger si vous voulez. Ouais, bah, si. On va devoir attendre Jesse la fin avant, de leur query là, et tu pars avec okay. La personne qui est seule. Et Spitfire tu... C'est 30 devient URI 2, début de patrouille hein. C'est 4 pour URI 2. Hop, comme ça le dispatch il est à jour et c'est ok. Par contre pour centrale. Allez quoi. Vous avez une gargoyle qui fait le tour du BDP. Hein. Une gargoyle, confirmé. Oh mais non Steph. 10-4, une URI 2, vous me faites le tour du BDP, si vous trouvez une gargoyle, vous faites contrôle de ça là. 10-4 Et 10-4 devant, elle est passée derrière. C'est cool. Et 2 URI 10-5, 90, 31. Tout va bien. 10-4. Elle est passée dans le PDP, c'est ça? Non, derrière, il a dit. Et 2 URI 10-48 en 80. Non, puis je crois qu'il y avait. Non, c'est rien de leur passer derrière. C'est passé un truc bizarre là. Non, je pense qu'il l'a vu avec quelqu'un à la barrière. Enfin, voilà, je pense que c'est eux qui l'ont fait passer. Mais là, il y avait plus rien. Peut-être dans le parking à droite. Hein. Personne. PRI2, on a tourné autour du PDP, on n'a rien vu. Et des cas, vous pouvez reprendre votre patrouille. 4 et du URI 10-48 en 10-31. Y'a pour l'URI. Gargoyle arrêté à l'entrée du PDP. Madame 37 dans la XX01. Madame 37. Si j'avais au fond de la rue et ils ont pris à gauche. Pas derrière le PDP. Madame 37, je vous laisse vous en occuper si vous pouvez le contrôler, ça m'arrange. Et 10-4. Et faites gaffe que ce soit pas un piège. 10-4, Adam 37, 10-26, 10-4. On peut pas les voir ici. 10-48, 90-31, toujours. RI2, on a 1,7 km du dernier braquage. Et 10-4 pour le RI2.
48. Pour le scout, vous pouvez rester à 10-24. 17. Paris 2, 10, 23, les codes sont puissants. Ah, non, mais ça c'était pas voulu hein. Qu'est-ce qu'il y a pour les deux? Oui, allô, je peux vous rappeler? Ah oui, oui, allez-y, oui. Du coup, on part ouest 93, 32. C'est une 6 port. Nord populaire. 92, 52. Par ouest sur le point côté du PDP. Toujours à l'est-ouest, tout va bien. Et 10-5, on est au PDP. Ah, il se place des cubes. Nord Strawberry, 80-52. Est-ce 80-51, on vient devant le PDP. Contrôleur, présentez-vous au parking extérieur. Nord 80-49. Est San Andreas, ouest San Andreas. Arrêtez-vous là, mettez-vous sur le côté. Ça va, ça va, ça va. Non, ça va, c'était léger. Mettez-vous sur le côté, monsieur. Va à l'écoute. Le BCSO demande si on peut s'occuper de mettre la 10F de monsieur Hunter en courrier. 10, 4. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va, vous n'avez pas besoin de médecin? Ça va, ok, nickel. Bon courage. Bon courage aussi. Merci! 0 1 code 4 sur la ouais. Non, la Fragonas 82. Il a fallu être 2 pour les bloquer. Hein. Pour la sonnette. Ah, j'allais descendre là, mais bon, je sentais qu'ils allaient. S dans le tunnel, 102-03, et remonte nord. Et 2 Hector, en gros, sur le 10-31, plus 1. 4 pour Hector. Ouais, 71-86. Sud. Madame Zeron, journée juste 40, 90 en plus. 4 4 l'école 10, 4 pour Madame Zeron. 10, 4 si vous voulez. Répétez le 10-20. On va partir sud 605 devant le 4 46 et 10-23 et on va encore bazar, on enlève au bazar direction N, faire ce visuel. Madame Zeron, 10, 46. Et on ressort, il y a un monte nord 102-01. 10, 4 pour Madame Zeron. 10, 4, reprise de visuel, il prend ouest, nord Rockford. Continue direction ouest, 72-85. Il prend nord, 71-52. 0347 et 22 ferme Tango, 22 début de patrouille en fugitif. On descend et on tourne est, c'est qui là? On prend sud. Et 4. Et on reprend est, 70. On reprend sud. Et de 05 à toutes les unités, je vous demanderai d'être attentif sur les demandes de 10-24. Actuellement, on a le BE qui est au niveau de la plage pour des échanges louches et potentiellement tentative de d'interception du BE par les individus qui font les échanges. Donc soyez réactifs sur les demandes de 10-24, merci. Attends, commando, on est à 600 mètres du dernier T-40. Dans le parking rouge, direction sud. 10-4, on a un parking rouge. Arrête sur les spots. C'était pas loin ça. Il repart direction est, il va pour reprendre nord. 10-4. Il part est Arcadus. Passe plus de 23 contre-sens. Sultan classique jaune. Il reprend bon sens. Un individu qui sort avec une batte qui rentre dedans, on part des 31 sur plus 2. Et il prend juste un changeur de 10. Et il prend juste un changeur sur place des cubes. 10-4, Adam 01. Adam 0 1 10 5, mon pilote a des maux de tête. Continue, 6
On va arriver au niveau du permis. Et tourne à gauche au niveau du permis, direction Est. Et Axel. Continue, 90-53 Sud. Et on prend Est. Venez pour son calme, mais bien dit qu'il y avait personne disponible. 10-4 personnes disponibles pour l'instant. Ouais, 10-4, pas de problème. Et on part pour l'Est. Et de deux, différents plus 94. Tu vas bien, la dame? Tu vas bien? Alors c'est bien parce qu'ils ont pas de pare-brise, je me défonce le cul quand même. C'est vous qui avez fait un gros demi-tour sur route, moi je vous ai pas pu vous éviter, c'est tout. Hector, toujours 31, on a actuellement 93-32. La sortie véhicule. Ah putain! Ah, là, faut qu'on investisse dans des supercars. Non, elle se met sur le comptoir, on passe là-bas. Sportive à la coquette. Non, mais au moins. Ouais, survitaminé. Le commissaire pour les gens de l'information. On va faire la réunion maintenant. Ouais, on va la finir. Si vous pouvez faire un 10-19 pour les gens de l'information, que j'avais rendez-vous à 21h. Allez, 10-4, j'arrive pour ça. Ça vous dérange pas si je mets votre véhicule un peu sur le côté? 10-4, j'arrive. Ouais, central, me dites pas que j'arrive, oui, dites-moi Adam et 10-19 s'il vous plaît. Ouais, bah si je, ouais, je vais lui dire que ça me dérange, comme ça elle sera obligée de le remettre sur la route. 10-4. Le conducteur, vous venez avec moi s'il vous plaît. Ouais, ouais. Hop, je vais prendre votre permis s'il vous plaît. Et merci. Non, c'était ma collègue. Elle conduit bien, hein. Sécurité quand même. Pour LSPD, 631 en cours dans votre juridiction. On est actuellement au niveau de la Fuente Blanca, direction sud. Besoin de 10-24 si possible. À LSPD 10-4, je vous envoie une unité. Vous allez voir, vous êtes disponible. Merci. À 10-5, on est en 10-48 pour un AVP. Alors, est-ce qu'il y a récidive? Non, pas sur le délit de suite. Alarme 37-4-4, c'est vrai. 26. Direction sud, on est du bureau du proc. Bon, on sait jamais, on oublie, ça peut vite arriver. Faut savoir ce qu'on fait dans la vie. Bah justement, vous faites quoi dans la vie, tu as dit quoi? Des magasins et des cigarettes et tout ça. C'est indépendant ou... Faites partie d'un groupe? Faites partie d'un groupe? On habite là-bas. Et il y a mon appart qui est là-bas. Ah ouais? C'est quoi le nom du groupe là-bas déjà? Bah, comment ça vous savez pas? Bah non, je sais, il y en a tellement... D'accord, ok, donc on est personne quoi. Ok, d'accord. Bah, j'ai pas dit ça. Moi je vous parle plus. En direction nord. Oh, ça va. Ça va? Non mais c'est vrai, enfin moi je retiens pas tout, ça y est. Allez, un petit effort. Central pour... Là comme ça, le je... dirais quoi. C'est pas STK, c'est sûr. Oui, ça bah oui. C'est pas Cercle non plus, c'est sûr. Ballas, c'est sûr. Ouais, ouais, ouais. Déjà, c'est bon là pour l'instant ce que vous dites, ouais. Y'a qui d'autre? Vous êtes trop nombreux aussi. Oui, la plus modèle. Une Easy Sport grise à bande noire. 100, 100. Et Sentinelle. Sentinelle, bravo! Oh, là, allez, je suis trop forte. Ouais, du premier coup. Elise Pizzi pour son camion, on a une. Vous êtes ok pour répondre à quelques questions ou pas? Pour répondre à des questions? De Santac pour l'Ouéry, site à Rockford Sud. Vous voulez une info? Oui, attendez. Une bonne info? Oui. Qui va expirer dans 20 minutes? Ça dit pourquoi? Si je vous la donne, vous mettez une minimale. À la pharmacie. Ah, ça dépend, c'est quoi l'information? C'est une bonne info. Hector pour le rideau, toi bien sur 10-26. 10-4. On est d'accord, on dit? C'est vrai, c'est vraiment une bonne info, vous mettez bah, je sais pas, en plus c'est pas moi qui décide, vous savez. Hein. Sur 10-26. Ah, bah oui, mais là, faut prendre des responsabilités au bout d'un moment.
Répétez 15. Potentiellement la mauvaise. Est-ce qu'il y a nécessité que je reste sur votre 10-26? 5, vous pouvez y aller. Ok, c'est pas la bonne. Là, elle est... ouais, excusez. C'est pas la bonne. Eh, 10-4, je décroche. Bah attendez, vous savez quoi? Et 13-26. Et Adam 25, collègue, casse pas du spatch. Bien sûr, plus vous perdez du temps, moins l'info elle sera utile. Ouais, je sais bien, mais bon, vous savez, il y a des. Adam 37, 10-26, 172, 76. 72, 76, confirmé. 10-5-4-4. Merci à l'SPD en code 4 sur. 230, il y a un sergent, dispo TPH s'il vous plaît. 10-4. Ah, je suis au plus vite, hein. Excusez-moi, c'est un peu compliqué. Bonsoir. Oui, on a arrêté quelqu'un là pour un 18. Suite à un 10-40. Il me dit qu'il a une bonne info à me donner qui expire dans 20 minutes, mais il veut vraiment deal sur le fait que je lui mette une minimale s'il me donne l'info. Central, 12-10-dispatch. Bah ouais, si l'info elle est vraiment pas solide, ok, pas de soucis, sauf s'il est récidive. Non, il n'y a pas récidive. Ok, ouais, mais c'est faut que ce soit lourd, quoi. Director, j'ai une boîte à cours sur la supérette 62. Si c'est pas lourd, si c'est une bonne info, mais pas lourd... Adam 37, on se rapproche. T'as une 10-4. Ouais, c'est ça. Ok. 10-4 pour Hector, vous ferez un 19. Merci, à plus tard. Pour récupérer 16. Tenez-moi au courant de l'info pour... ouais, ça marche pas de saison. Ça, je peux vous... voilà. C'est à plus tard. À plus tard. Du coup, si c'est vraiment une très bonne info... on part sur la minimale. Si c'est une bonne info, on partira sur l'inter-une. 73-02, confirmé, 10-4. Vers 22h. Le recteur, j'ai les personnes qui vont pied à terre devant la tourette. Qui est organisée. Attends, répétez le 18. Par les mecs qui habitent. 73-02. 03-04. Qui habitent pas dans le nord, mais pas dans le sud non plus. 10-4. Pas dans le nord et pas dans le sud. Ouais, 50-18 là, par là-bas ils habitent. À 22h. Ouais, vers. C'est peut-être pas la minute près non plus, hein, mais. 37, 10, vous y êtes invité 23. Ouais, mais on a décliné. Ah, vous pouvez y aller, la dame. Ça démarre où, hein. Je sais pas, du coup, ils nous ont pas dit. Oh la tristesse. Où ça commençait, quoi, du coup. 10, 40, 10, 69, 68. Il compte envoyer une position vers 22h. Hein. Ouais. Je vais rappeler mon sergent, puis je vous. Dis-moi. Oui, du coup, il y a une consigne. Il y a une course illégale à 22h organisée par des mecs en 50-18 là. Ok, c'est à Manon. Ok, ça va, tu peux lui mettre une minimale. Ok. Et t'appelles tac 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 tac. Harper il est là, le lieutenant Harper il est là. Ouais, je m'en occupe. Ouais, ça marche. A plus tard. Tu peux lui mettre une minimale. Ça marche plus tard. Ah, c'est bon, je peux vous mettre la minimale du coup. Voilà. Alors, la minimale ça fait 1500 balles. Je prends. Les ASP sur commune des collèges de Griffon. Ah, merci d'avoir été coopératif du coup. La 10-4 pour les... 10-4. C'est bon du coup là, j'ai fini mon collègue ou pas? T'as pas l'air. Ouais. Je peux prendre mon téléphone, c'est bon? Allez-y. Je vais aller voir au centre avec... Adam 01, 19. 10-4 pour Adam 01. Hein? Je viens de terminer. Ok. J'ai vérifié juste que c'était bien noté. Je crois qu'il y a eu un petit souci avec le... avec la tranette. Vous les avez vu mettre un truc dans la coffre de la voiture ou pas? Oh, des chips. Trop bien, merci. Ah, 10-5, mais par contre, je les ai vu monter dans le véhicule. Ne me demandez plus la chips croustillante ou pas, bon, qu'est la prochaine fois. Ah ouais. Je vais charger la page, c'est bon du coup. C'est tout le monde, notre tête. Vous pouvez y aller. Ok, bah la bonne soirée. Bonne soirée à vous. Hop, on va juste reprendre. On vient tout juste de terminer, on va repartir en patrouille. Marteau, tramarchonne. Je prends juste tout sur moi, comme ça. Adam 01, 10-23, PDP. 10-4 pour Adam 01.
18h, vous pouvez décrocher code 4. Ma 10-4. Et 10-4 pour l'hectare, vous pouvez faire un 10-19. Ma 10-4, je... Ok, c'est tout. 17-16, 5 minutes. 10-4. Ça a pris un peu plus long, j'ai posé un toutes les questions qui voulaient savoir le BE, vu que c'est un des groupes qui nous demande des infos en plus. Bon après je suis pas tombé peut-être sur le meilleur pour les questions, c'est un qui est le STL il y a pas longtemps. Mais... Jusqu'à vous pouvez me contacter. Tac. Hector divisé 3 PDP. 4 pour Hector. Il est comment l'avant de la voiture pour vous? Ça va, je vois les. Ça éclaire bien donc je pense que ça va. Hein. D'accord. Pour moi elle a rien du tout mais. C'était un peu bizarre la CP. Donc, non, oui, c'est ok, béni, c'était ultra propre. Jusqu'à la fin, je l'ai. Même. Ouais. C'était con bizarre, je l'ai pas tout touché pour moi. Les deux BE fixes en 138. C'est bien pris pour BE. Laissez faire le plein, je vais faire poser mes saisies comme ouais, ça c'est ça fait. Marche. Merci. Hector en prise de patrouille. Et 10-4 pour l'écart. De central pour tous, à 22h on va avoir peut-être une course de rue. Je vais demander à URI et URI2 de rester près, proche de ces heures-là et Hector de chercher si possible. 10-4. Et 10-4. 22h. Adam, je sais pas s'il y a, il a donné, voilà, il a pas donné de type. Hector, on raccroche. 10-4 pour Hector. Coup de feu près. Ah, 22 oui. Pour Hector, allez plutôt sur Clinton 70-93, il y aurait eu des coups de feu et ça a aussi été entendu par G6. 10-4, c'est sur quoi je raccroche. 10-4, je vais comprendre 83. Oh la radio, ça va commencer à être le bordel. De central, calmez-vous sur la radio, tout va bien se passer. Pour tous les nouveaux départs du PDP, vous me faites une nouvelle ligne. Dame 37 de 23 RAS. 10-4 pour la dame 37. Je m'approchais au cas où, mais on doit prendre ce qu'il ouvre. Proche de la mairie maintenant, c'est donc. Ouais. Et de l'SPD, c'est bien reçu. C'est SP, c'est bien pris. L'autre call, cette fois, c'est vers la mairie. Hein. Et de 08, en même temps, on a un véhicule volé qui nous font souvent le coup. 24, effectivement, ils l'ont déjà fait quelques fois. Hein. Il y a plusieurs endroits donc. Hector, on va naviguer entre tous les coups de feu à essayer de voir d'où ça vient. 10-4 pour Hector. 10-4 pour information, j'ai eu groupe 6, ça viendrait vers les villas proches de Réclis Vinewood. À voir là-bas si vous voyez pas des choses. C'est que du 9 mm, 20 sur maximum. Mais c'est pas un bait pour le véhicule volé ou un truc de style. C'est possible, ils nous l'ont déjà fait une fois. Central pour toutes les unités, ne vous énervez pas, les coups de feu ça doit être des distractions, je veux deux Adam qui partent sur chacun des coups de feu, vous restez en contact radio, pour le reste ouvrez l'œil, il y a quelque chose. Le point que j'ai mis c'est un véhicule volé. Hein. 10-4, ah, je crois que c'était pour la mairie. 10-4 pour la dame 32. Peut-être quel véhicule volé, Dominator SP. Ouais. Dame 37, 4-4 sur la pharmacie. On peut aller regarder. Hein. 4 pour la dame 36. 10-4 pour 17. URI 2, on va aller faire un check sous le ponton pour le véhicule volé. On sent dessus ou en dessous là comme c'est en fait. Bon, je pense peut-être plutôt on va aller sur le 10-20 de URI 2. Ah non, c'est pas par là. Directeur, on voit que rien vers le ponton Black 4. Ok, peut-être c'est au-dessous. Normalement, je voyais plus ça au-dessus comme c'était. 10-4 pour la dame 12.
Oui, dans le cas là. Et de 8 4. Bon, de toute façon, des fois, ça part très vite. Ils sont peut-être déjà là. Lag au 4 d'ab. 4 pour la dame, 32, 10, 26. Ça s'en fait 11 et 67. 10, 4. Bon, c'est déjà parti. S'il y a quelque chose, je pense que c'est déjà parti. Là. De Hector pour. À gauche, ils peuvent. 5. À gauche, encore, il y a des ponts. Oui. En gros, 22, 10, 19. 4 pour le temps de 22. Adam 01, repose de batterie. 4 pour la dame 01. Adam 01, on prend le DAB 71-67. 10-4 pour la dame 01. Ouais, code 4, hein. Mmh. Et Harry 2, RS, code 4 sur le véhicule. 10-4 pour le Harry 2. 39, vous me confirmez, être en 10-26-171. Et 10-4. Il y a eu un DAB sur vous? Je passe Navigo et le personnel Navigo ont un rapport. On l'a vu en flag. Mais qu'est-ce que c'est que ces sondages? Pour le RI, 10-5 sur le dernier code. Une discute. Dragon 22 devient un dame 22-03 au poste. 10-4. Du coup, pour Adam 01, on tourne en patrouille. 4 pour la dame 01. Adam 12, code 4, plutôt pacifique. Pour Adam 12. Et 2, je rappelle J. Et des 4 pour Adam 12. Adam 01, on se rend vers le dépôt Evolt et à Palmer Ron. Faire un petit tour si vous voulez voir si tout va bien. 10-4. Et Harry 2, 10, 40 en 80, 26. Et en noir, on va partir en S31 sur la plus 1. 4. On part est, nord, 80, 37. Unité pour accrocher sur le 10, 31 de Harry 2. Adam 22, on va discuter. 10, 4, Adam 22. S, 80, 84. Non, c'est et en demi-tour, il y a un descend sud. On serait moins qu'il y ait mal de tête, parce que c'est après le temps. Sur le far drive, toujours direction sud. Et 5 unités pour le moment. Bah, vers Little Seoul, direction est. S 80-76. S petit. Non, on monte nord vers le Museur. 17. Ouais, c'est Andreas. Par descente sud à nouveau. Dans la spédition commune, on a eu une annonce de possible course illégale à 22h. Je vous laisse garder les ouvertes côté pour le rassemblement de véhicules. Par descente sud sur quelle heure? Adam 37, on prend la 1:48, ça passe derrière Weasel. Adam 12, direction sud et ça repart ouest. Pour Adam 12. Oh, ils ont dû faire tout droit. Un véhicule perdu de vue. Il est à droite. Mais je vais le retrouver, Est 80-72. Et 2BE, code 4 sur le. Et maintenant, la Lagunas. Répétez, Cole. 2BE, code 4 sur le fixe, et retour en patrouille. En Bemington, et il prend Dorset Est. Il est à gauche. 50, et il a pris Dorset Ouest. 4 pour la dame 36, tout va bien. 5. Ma faute, je suis perdu de vue. Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave. 1, 2, 10, 23, 10, 3. 10-20 sur Adam 37. 72-82. On a perdu le visuel 72-79. 82 unités pour accrocher immédiatement là. Murphy, on y va. C'était quoi 72-22 qui avait 03 pour 22 après TP ajouté. Salut Lia. Code 4 sur la néon du coup? Oui. Mais... pour Hector, si très. À la mode de 19. Non, il y avait rien dans le coin. On est à 72-61. 10-4 pour les deux, quoi. URI 2, code 4 sur le 31. 10-4 pour URI 2.
J'ai oui. un truc. Ah, désolé, j'étais un peu distrait pendant la CP, du coup, Leblanc il était tout seul. Et... Non, je suis au téléphone avec Leblanc, mais désolé aussi à toi aussi, hein, Leblanc, mais du coup, on n'a pas pu bien suivre correctement. Ouais, pas de soucis. Hein. Du coup, il y a peut-être une grosse réclamation. Ouais, ouais, pas de soucis, on. Pas trop bien. Avec la coquette là. Yes. Parfait, à plus tard. Ils sont on essaie de rester discret et on va appeler le LSO. Fallait je rappelle quelqu'un, t'as aussi 8660. J'ai pas. Après, il y a certains qu'il faut que je les enregistre. J'avais pris les habitudes de pas enregistrer tous les cadets au début parce que j'ai ça à l'SASP et puis la moitié ils finissaient pas donc. M2 sur 1031 sur c'est Bilops. Ouais, d'accord. Je dois l'avoir, Bilops, j'ai du mal à le chercher donc. C'est bien, Bilops, normalement je l'ai. C'est quoi, c'est SASP, ça on n'est pas un champion à approcher, c'est possible. Bilops, c'est SASP. Hein. Vous êtes le chiffre. Hein. Non, mais c'est parce que je suis peut-être pas 1555 au début dans la recherche donc ça a pas marché, c'est pour ça. Ah, peut-être. Alam 01 1048 Evolt 3061. Qu'est-ce que votre numéro? Bradam Vandam, mettez-moi à jour le véhicule, s'il vous plaît. S4. Zéro pour centrale, Alam 01 1048 3061. Répétez 10-20. 30-61, il vote. 10-4. On vient de percuter un vélo là. Adam 22 devient Adam 47. Adams patrouille. Adam 47 devient UAI 3. Okay. Let's go. 230, 26, ça a eu un mal de tête. S4, 10, 20. Commissariat Vespucci. Et moi je fais un petit atteint en 90, on a eu un accident. Répétez, 10, 20. 90. 10, 4. Et du Hector, soit je rappelle du citoyen pour 71, 69. Que c'est pour l'hectare. Y'a un délire là. Monsieur, vous m'entendez? Adam 12, père des visuels, 5253. Ouais. Ah, vous allez bien? Scap. Ouais. J'ai un petit problème de tête. Ouais, on vous a percuté, je crois, non? Bah, je sais pas du tout. Vous étiez en vélo, non? Oui, j'étais en vélo, mais. J'étais pas ici. Il y a toujours la 4-5 sur le aéroport. Je me retrouve là. Vous étiez où? J'étais un petit peu plus bas dans la rue, un petit peu même avant la supérette là-bas, mais je sais pas comment ça se fait, je me retrouve là. Vous avez besoin d'un médecin? Centrale de Citrep pour Eri. Répétez cool. Oui. Bah, Citrep pour Eri. Je vois que j'ai le vélo à terre là. Je vois toujours que j'ai un cocard à l'œil. Ouais, je vais vous les appeler si vous voulez. Hein. Non, ça va aller. Je comprends pas. Oui, j'ai pas tout compris non plus ce que ma collègue, celle qui conduisait, je lui dis on a renversé un vélo, elle répondait pas et d'un coup, pouf, plus là. Elle s'est enfuie quoi. C'est pour accrocher sur l'équation. Je pense savoir ce que c'est. Non, je sais pas comment ça se fait. Et bon, vous êtes pas blessé, c'est le principal. Madame 32, c'est... Et on est dessus, 80-42. Tu penses moi sur mon arcade, là, si vous avez, pour moi. Oui, si vous voulez. 48-80-43 pour... J'ai soif. Si je vais me déshydrater. Ouais, faites pas malaise. Franchement, non, là, je suis confus. Je sais pas comment ça se fait que je suis là. Vous avez pas pris d'alcool ou de substance, on est d'accord? Non. 01, code 4. Ok, bon. Je peux pas vous expliquer. Il y a des mystères dans la vie qu'il faut pas essayer de chercher à comprendre, c'est. Non. Je peux pas vous expliquer, non. Non. Ça marche. Bon, allez, faites attention à vous du coup. Et puis bonne soirée à vous. Si, bonne soirée. À la plus tard.
10-4, retour radio, j'ai envoyé ma position. Allez, 10-4, je viens vous récupérer. J'ai une unité disponible pour la SP volée 90-55. 22-15. Madame Zero, on est à 3 km. Ça va ? Ça va. Désolé pour la tenue, c'est un délire cet après-midi qui est parti un peu trop loin en fait, avec les cheveux en plus. Il y a eu un gros délire. Hein. On a écrasé un vélo. J'étais à Vespucci moi avant. Ouais. J'ai le plein, puis d'un coup, pouf. Mais depuis avant, j'étais j'ai arrêté de tête, je voulais faire une petite sieste, mais là, du coup, ça, je pense que ça va aider. Très étrange ce qui s'est passé. Donc je disais que je voulais faire une petite sieste en plus, mais. Mais du coup, c'est fait. Bah, c'est fait, ouais. Parce que normalement, j'ai pas de mal de tête, mais depuis tout à l'heure, ça s'arrêtait pas. Ok. Madame 37-4-4-50. Et 10-4 pour la dame 37. Aide de BE pour centrale. T'as à l'écoute. C'est possible d'avoir une Adam qui se rapproche de l'aéroport. 10-4, Adam 37, dispo. 2-5, on va aller au Bénix. Accroché. 4. Je vais vous avoir les maris, ça vous va? 4. Et 10-4, les maris sont en route vers l'aéroport. Adam 12, 10, 50, 90, 58, on s'est fait pite par Adam 01. 10-4, tout va bien pour les deux? Oui. 10-4. Henry 2, 10-3, PDP. Vous avez réussi à vous pite tous? Oh. Non mais c'est pas grave. pour vous, Henry 2, répétez quoi? 10-3, PDP. 10-4 pour le LED. Dame 32, code 4 sur 10-48 et 10-19. Et 10-23 PDP. 10-4. Madame 12, code 4 sur 10-50, direction Bénine. 10-4 pour la dame 12. 0-3 pour tous, les voitures qui sont parquées au bureau, si vous les utilisez pas, vous les rangez, merci. Est-ce qu'elles sont pour le commandement? 10-4. Et 10-4. Adam 01, code 4. 10-4 pour Adam 01. 12, je m'occupe de Yellow Jack. 10-4 pour le 12. Je vous l'arrange, hein, la voiture. Je sais pas, je voulais absolument entrer dans la voiture GDX avant, donc... Oui. 05-08, départ en patrouille Marie. 10-4, mettez-moi à jour votre... 10-4. Santé Collector, est-ce que vous pouvez me faire un petit tour en ville quand vous aurez fini de refuel pour une possible course? Hector 10-4. C'est quoi, dire 22h? Ouais, donc c'est un tour. Mais R2, reprise patrouille. 4 pour le R2. Peut-être, ça bénise, peut-être déjà commencé, ou bien si c'est dans l'or, on le verra pas. Mais... Pas de changement de composition pour le R2? 5. 10-4. Hey, 03, j'ai toujours une voiture là dans le garage externe, là, dans mon bureau là. Qui c'est qui doit s'en occuper? Voiture rouge, putain. Servette T4, c'est en cours. Merci. Et de 16, éco-explosion de derrière le poste. Éco-explosion sud, PDP. Pour Hector, vous pouvez faire un tour. 10-4, je m'en occupe. 10-4.
Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un s'est occupé de vous? Alors non. Ah, encore. Ok. Je passe. Bonsoir mesdames. Et bonsoir. Avec quelle entrée, c'est important. Alsen. Hop. C'est la réunion ici. J'aurais besoin d'une petite répa sur ma voiture. Oui, sûrement. Alors si on trouve pas de course de rue, moi je voudrais le nom d'équipe. Mon collègue est déjà dessus. On est d'accord. Oui. Ok. C'est écrit de toute façon, c'est écrit. Après oui, il permettra de sortir la vacance. Ah pas de soucis. C'est dur hein, c'est... Ouais, je comprends. Mais... C'est quoi l'ordre d'arrivée sur le parking? Ah, le pauvre il se prend que des vents du coup. Ouais, non, mais je suis la club et après la Ili. En parlant de la place, c'est carré. 0-1-10-5. Les patrouilles derrière le poste, aucun visu sur l'explosion. Oui, il y a un monde où... Attends. Il y a un monde où ça a commencé dans le nord et que ça va redescendre après. Ouais, tout à fait. On a peut-être dû prendre le BCSO, tiens. C'est pas faux. Ouais. PE, code 4 à l'aéroport, on dirige à la plage. À voir. Ouais. 4 pour le BE. Il y en a là-dedans dans le bus. Après, à voir aussi s'il y a des gens qui allaient participer, parce que je lui ai demandé au type si eux ils allaient y aller. Et il m'a dit qu'ils avaient décliné. Sentinelle. Hector reste autour du PDP 19. On dit qu'ils avaient décliné, donc ça se trouve si tout le monde a décliné, ils vont pas le faire. Hein. Ouais, on est en train de me dire que la mano a pas d'amis quoi. De 1 la personne qui est en train de couler un pied qui est masqué. La mano a pas d'amis quoi, c'est ça. Ouais, voilà, ouais. Ils ont pas mangé assez de curly, je pense. C'est pas je pense que c'est Ico, peut-être des GT War, mais j'ai 2-3 coins où j'ai dit qu'on peut regarder pour la course. Ah, bah y'a. Y'a Adams qui veut aller voir de quelques endroits pour voir si. Le Vinewood Ball ou des trucs comme ça. Ouais, Vinewood Ball, c'est pas con. Hein. Bon, on va aller faire un tour et puis on va voir. Parce que moi je suis le ça démarre maintenant, on est plus loin. Discato RI2 ou quelqu'un de disponible là. Ouais, bon chance. Oui, RI, on est. Ouais, putain. Actuellement, ils sont que. Discato RI, allez-y, 71-66. Je sais plus. C'est là. Et après, il y a l'autre truc, le théâtre aussi. Je sais plus où il est. Ah non, il est un peu plus haut le théâtre, oui. Puis il y a l'observatoire éventuellement. Après, je pense que Alico a déjà dû voir en vrai. Mais... Hector, plus de patrouille. Et du URI 1023. 14 pour le RI. De son cas, pour toutes les unités, si vous passez dans les quartiers Bagos ou Astecat, vous faites attention, apparemment ils sont armés. Et 4. Et URI, on part au 10-31 sur une ici bleue, on passe sur la puce. 10-4 pour URI. Et on prend sud, on passe devant la mairie. Ouais, c'est Octobre Rose. Puis S, direction Black 4. L'observatoire aussi en vrai. Oui. Et après il y a le 101 de Wery. Toujours sud, base 4. Notre distance c'est 71-67. C'était pas déjà 2 sur Wery. Puis est direction les canaux 81. Hector 5 en recherche de la course de rue. Toujours est. C'est 4 pour Hector. Deuxième ponton. C'est 4 pour Hector. Little C'est où? Ouais, on recommence. Et démarrer en recommence sur le 101. Ils reprennent S direction Little Seoul 81-28. Ils passent devant Little Hector, vous êtes allé voir à l'observatoire? Ils passent devant le Weasel News 10-5. Pas pour le moment, on est au-dessus de la ville là. Ah, 10-4, tu es arrivé, on va y aller. Ils reprennent Sud direction Pays. Il y a l'autre, c'est le. J'oublie tout. Il y a le théâtre, je crois que c'est aussi une scène là, puis il y a un grand parking. Adam 37, on raccroche sur le 10-30 perdu, oui. Ouais. 4 pour Adam 37. On est déjà rebroché, je sais plus si c'est celui-là. 42-43. Mais je crois que c'est... Oui, c'est là l'entrée. Je passe devant Roger, toujours sud 9000. Oui, c'est ça que je cherchais. 227-18. Ils font demi-tour, puis ouest, ils repassent devant Roger. Il y a déjà eu des fois, en fait, où ils se mettaient là, donc... Nord, direction quartier là, ça n'a pas l'air de le canon. L'observatoire, faut que je regarde ma carte aussi, je sais jamais comment y aller exactement. C'est là. Bah, juste à gauche, ouais. Toujours nord, 82-45, ils passent dans le quartier cercle. Passer devant le Weasel. Madame 37, on a décroché du 31 puisqu'il y a une autre Adam avant. Ah, c'est bien ce qui me semblait qu'ils étaient déjà dessus. Puis est, vous avez pas suivi. Devant le parking rouge, ils prennent nord dans le parking rouge 82.
69. Oui, oui, oui. Madame 37, le bête école. Madame 37, on a décroché le 1031 parce qu'apparemment il y a une autre Adam sur le 1031. 10-4. C'est les maris qu'on a raccroché. Et il faut prendre la sortie nord du parking. C'est pour les maris. Puis S, échangeur G6, ils prennent sous les échangeurs G6, ils continuent direction place des cubes. Madame 37, sont en train de la sortie. Ils prennent nord, ils passent devant G6. De Corte, je sais pas si ils ont déjà vu aussi. Y a un ils prennent tunnel LSES et vont sortir. De l'autre côté. Il y a le corps, ça va prendre pour aller voir sur la grate. Ils continuent place des cubes. Je pense quoi, ouais, vu qu'ils ont décliné, je pense qu'ils n'avaient pas le lieu, du coup, les sentinelles. Donc, Puis sud aux échangeurs G6, direction. Attends, 37-23 RAS pour l'instant. Discard. Demi-tour sur les échangeurs G6 pour passer sur la partie. Discard. Une unité pour raccrocher. Écoute, direction parking room. Ready 2 disponible. J'ai pas vu les véhicules là. La Noréa blanche. 4. Il y en avait plusieurs. Raccrocher sur 80-40. C'est 4. 66. On est sur 80-40. Puis sud. Perte de visuel. 80-49. Je pense que c'est la moto derrière, non? Attends, c'est les calls qu'on a maintenant ou c'est... Je sais pas, il nous a dit qu'il fallait aller sur 80-40. Ils vont sud, direction Bénis, 80-59. Ah oui, il y a sud que Sony. Sud 81-61. Il rentre dans les petites ruelles 90-43. C'est quoi, c'était Milton et Mauvais New Drive 4-4 dans le drive. Ils sont dans les petites ruelles 90-43. Je vais appeler Hector. Je sais pas si on doit suivre la CP ou bien si c'est. Ils sont peut-être que 4. Non, allez, ils sont en 10-48, allez au 80-40. Ils font le tour et vont prendre. Ouais. Okay. Oui, commandant, c'est vous en oui, Hector, c'est ça 34. Oui. J'ai vu plusieurs véhicules arrêter Mauvais Noon Drive et Marlow Drive, je sais pas, enfin au croisement. Mauvais Noon Drive, Marlow Drive. Ouais, 50-19. Ok, là. Ils étaient arrêtés sur le côté, je sais pas ce qu'ils font. 50-19, je sais pas s'ils seront encore sur place, mais il y en avait quelques-unes de véhicules. Ça, oui. 42-47, direction Totem Chinois. Ça marche, merci, madame. Merci, à plus tard. À plus tard, oui. Mais qu'est-ce qu'elle fait à Adams? Au niveau du musée 84, toujours au nord, Movie Stairway. Ils vont arriver au niveau du Light Vader. Juste vraiment mais l'intuition, mais ils sont peut-être déjà partis. Ils prennent S pour Light Vader 60-60. Pour souvent c'est parking, mais en soi ils sont peut-être en nord. Le problème c'est que... Adam 37, il était pour accrocher. Et de URI 10-26 en 61-57. 10-4 pour le soleil de la souris se déroule actuellement dans une villa en voiture, ouais, c'est peut-être ça. Et 10-48 en. Et URI 71-57. URI 3 2-16. Type de rassemblement de personnes aux alentours de 50-19. Un hélicoptère sur place. 3 bagnoles vertes. Pour le URI 3, 10-4. On avait dit, hein. Aller, sur le col de l'hectare des personnes, même toutes les unités du terrain, je suis pas sûr que ça suffirait. URI 2, on raccroche avec toi. 10-4. Non, on va de toute façon, on dans le tas, mais juste voir si ça part. On peut se mettre un coup à avoir des plaques. Peut-être perdre des visuels en 72. 4 pour la dame 37. Ça fait où 50-19? Et on rapproche au 59. Ah, on n'a pas dû passer loin là sur les observatoires. Hein? On n'a pas passé loin. 14 individus sur zone. Mais je vous l'ai dit qu'il y avait des gens là-bas. Et apparemment ça va partir. Moi j'ai juste vu deux voitures pour se rebattre à côté. Rapide, mais what the fuck? Les URI 3 ils sont sur nous en 60-50. 3 véhicules. Mais poursuivi, on est poursuivi. Vas-y, Scott, il y a une unité poursuivie dans les villas 60-56. Là. 10-24, 60-54, s'il vous plaît, il y a la vaca qui est entourée là. Scott, toutes les unités disponibles, s'il vous plaît. Ok. Faites-moi un contact sur toutes les activités par les directions des villas. Et de BE, on est à 700 mètres. Il y a un véhicule qui repart, il y en a un qui vient vers nous. Soir.
Détruisons les 3 véhicules sur place. Et ça va. Ah si si, on vous a dit bonsoir. Juste que moi j'ai mon collègue est... Ah je vous ai pas entendu non plus. Oui d'accord, ok. Ça bien, inconnu, 65. Oui ça va, merci. Non, juste qu'on a vu mon collègue entouré des trois voitures, on pense que c'est un peu éloigné là. Mais... On est en 60-56, pour l'instant tout va bien. Madame 0144, non, c'est juste votre collègue qui fait des trucs chelous. On sortait de voiture verte. Vas-y, tranquille. 21-06, confirmé. 4. Il m'écoute pas en radio, c'est ouf. Qui là ? Madame 01, ok, mec. On roule en convoi. Alors, certes, on n'est pas à 90, mais on n'est pas à 200 non plus. Ouais, désolé, il est là, monsieur. Ah, oui, pardon. Oh là là, je suis désolé. Mais qu'est-ce qui se passe là ? Pourquoi vous vous entourez la vaca comme ça ? Bon, là. Oui, pour discuter. Central collecteur. Allez, écoute. Visuel de la on l'a pas entouré, moi à la base j'ai piqué la commodore qui a fait un barrage devant lui, mais avec nous, c'est juste rapproché de la vaca quoi. Ah, parce que vous voulez quand même bien entourer. Non, non, mais je. Oui, oui. Je vous promets, tout va bien. On l'a pas non plus pour chasser. Ah bah. De notre point de vue, on aurait dit, hein. Oui, mais. Non, mais t'es bête ou quoi? Il n'y a qu'une seule route possible. Non, mais déjà, monsieur, c'est vous. Ok, clairement. Secondo, non, je suis pas bête. Je suis pas votre ami. Donc. Ah, faites école. Non, je m'occupe du col. Ouais, si, si, j'ai dit. Non, mais moi. D'ailleurs, descendre quand même. Oh, du coup. Du coup, vous êtes pas. Non, mais il n'y a pas de. Vous êtes bête. Je suis pas votre pote, vous vous calmez. Mais j'ai jamais dit ça. D'accord, ok. D'accord, ok. À quel moment j'ai dit vous êtes bête? Bah, vous venez de le dire, mais c'est pas grave. Pas si c'est vous ou si c'est votre collègue qui l'a dit, mais il y en a de vous deux qui l'a dit. Oui, c'est moi. Ah, voilà. D'accord. Mais un tout petit peu, parce qu'en fait, vous me dites, oui, on dirait que vous le pourchassez, mais genre, sur la portion où il était à côté de nous, il n'y avait qu'une seule route possible. Radio bloqué. Vous pouvez ni tourner à gauche ni à droite. Oui, certes, mais. On est derrière lui en fait. Comprenez que de notre côté, on voit le suivre à haute vitesse, d'un coup, vous l'entourez, il va forcément se poser des questions. Ça sert à rien de s'exciter, hein. Par contre, je vais prendre votre pièce d'identité du coup, s'il vous plaît. Ils ont rien fait d'illégal de plaisir, madame. Voilà pour vous, ouais. Nickel. La prochaine fois que vous m'insultez, on part directement au poste, c'est compris? Oui. Très bien. Allez, monsieur, bonne soirée. Et pourquoi vous avez on va repartir en patrouille. Mais c'est vous qui s'est tendu le fou, hein. 10-20. Au car. 60-56. 10-4. Je vais lui niquer sa mère, lui, par contre. Non, mais je t'ai demandé. En bas, ils m'ont déjà dit que tout allait bien, qu'il fallait. Pour la dire, 61-45. Oui, la prochaine fois, je lui fais pas de cadeau. Hein. Mais... Alors, c'est qui la bête et le tocard, du coup hein. R2, code 4. Hein. Non, plaisir. Moi, de soigner un peu tendu. Moi je me suis d'un coup il sort, il braque l'autre, donc je me suis éloigné et mis en position. Ah, par contre, ouais, je sais pas, mais la prochaine fois, évitez peut-être de me laisser solo avec eux du coup. Bah, je croyais qu'il était seul en fait, j'avais pas vu le passager. C'est surtout ça le problème. Central pour lecteur, s'il tape. En 61-58. 4, quelque chose en visuel. Il y a 10-5. 4. Salut Ludo! Et si traite sur le rassemblement en 59? Ils sont dispersés. Et 10-4 et 200 talents pour toutes les unités, bravo pour la réactivité, on reprend le terrain. 10-4. Un magasin, 1,2 km, 7. Sur l'aéroport. Le dernier, oui. Et de URI? Bon. Et Harry 2, on s'occupe du dernier discount. Attends, 37, on se rapproche des gardes 40. 10-4 pour la dame 37. Vas-y, kidnappinou. Le BE, on va se rendre à l'aéroport là. Pour le BE. De Marie, on sera à disposition BE, on va vous attendre aux échangeurs avant l'aéroport. 4. 10-4 pour le détecteur. RI2, 10-23, sur le temps RS jaune devant, je fais les quoi sur plus 1. On s'en va, promis, on s'en va.
C'était pas nous. C'est pas nous. Est, ouest, son adresse. Passe la place des plumes. Central, flag de distributeur sur Vinewood, 1026. Est-ce que 37 Et de quoi de Central, répétez, Daniel Cole. URI 2 en 1031. 10-4. Ouest 92. 37, on est déjà dessus. Sud 873. Parfait, 10-4. Ouest Vespucci. Arrive au croisement avec Fandrail. Au nord. Mais il fait des dingueries lui, c'est un fou. Demandez derrière s'ils peuvent s'arrêter pour le civil. Unité sur le 1031, vous pouvez vous arrêter derrière pour le civil s'il vous plaît. Et 1-4. Bon, moi s'il va bien, parce que je serais le truc qui me met un sacré choc. 80-84. On est dans les petites ruelles du coup, direction nord 80-07. On est petite ruelle direction nord. On est sur Marathon, il a pris S Marathon, il va prendre nord les petites ruelles. Suivez les ruelles direction est. 31-73, passe devant la Munation et continue est. Madame 01, patrouille. Passe sur le Life Invader. Vous pouvez récupérer la 1031 de URI 2 Sud, puis ouest, 72-11. On doit aller on doit aller direction, direction nord. 10-4. Parking 71-64. Arrive le Golf. S71-59 le long du Golf, il reprend des ruelles en direction sud. 25-18. 31-59 toujours. 10-4 pour 25 Matsuri. A gauche. Non, à gauche. Véhicule perdu de vue en 71-62. Soir. BE pour Marie, s'il te plaît. Marie, 10-23-2 à l'aéroport. Le parking de gauche, une personne habillée en blanc, flag de deal. Parking en 125. Pour BE et Marie, prenez une fréquence sur radio. Non. Frame Axela, c'est pas une bonne idée. De URI3, demande de 10-24 sur le 10-31. 10-4 pour le URI3, unité pour accrocher. On a besoin d'unité avec un parmi, l'individu nous a roulé dessus avec ouais, des c'est non. 10-4. 10-01, on répare et on peut raccrocher. Et autorisation de pit léger. Ouais, 10-4. En plus, je pense qu'on va, on va échanger un coup. Hein. Ouais, ça marche. Santa pour la dame 37, tout va bien sur votre disque électrique? 10-4. 10-4. Il arrive 2, code 4 sur le 10-31. 10-4 pour le WLD2. De URI3 10-50 en 82-51. Voilà, je commence à perdre la concentration, donc c'est le moment de passer le volant. 10-4. Ah, il commence à se faire tard, mine de rien. Ah, oui, c'est vrai qu'en fait, on a fait longtemps devant le PDP. J'ai pas l'impression qu'il était si tard, mais pratiquement attendu une heure après devant entre. Ouais. Ça. 02 pour 07. À l'écoute. Dispatch. La 17. Attendez-moi, je ferai un 10. J'ai le droit de la conduire quand même, Arzelan. 10-4 pour BE. URI3, direction B. 4 pour URI3. Oui. Monté ce soir, hein. Moins qu'hier, mais bon. Central pour la dame 01, vous êtes toujours sur le 10-31 10-5. 10-4. Vous êtes 50 avant qu'on puisse se rapprocher. 10-4.
faire, protecteur, s'il te plaît. Et Adam Central 10-19. 4. 4. Et de Marie 10-48 139. 10-4 pour Marie. Et du RI2, on prend le dernier 10-40, 1 km 7. C'est bon. Et 10-4 pour 07. Et Adam 0, on est à 1 km du 73-26. Pour commissaire pour tous, code prioritaire, commissaire. Écoutez-moi. Le Lost a été inculpé pour acte de torture et barbarie sur Anderson et la prise d'otage. 500 000 dollars et d'amende et 12 heures de bowling brock. 10-4. 8 RI2, 10-31 engagé, ici sport bleu, on est sur plus 1. 10-4 pour le RI2. 10-4 pareil pour Dame Zéro. 10-4 pour la Dame Zéro. Mais sous ma gueule là. Fait une tour, ensuite 73-33. Aucune unité derrière, reste avec la dame. Hein. Je crois que. Et dame 0, on décroche 1831, un civil en AVP. Bien pris pour la dame 0. Elle continue ouest. Dame 37, tout va bien. Ouest, 80-45, il dort. Dame 37, tout va bien. Ouest dans le tunnel EMS. Et sud 84, avec le sur le G6, prend ouest. J'ai ouest. On passe devant le musée. 02 pour 13, toujours 10. Toujours ouest, 98 et sud. 10-4 pour partir avec 07, on s'appelle la terminée. 4 et 13 pour tous, c'est quoi la voiture verte au moins là. Nord, on passe devant le parking multicolore. Il y a monsieur Hunter qui demandait à ce qu'elle reste en gardiennage. Ouest, on va avec les personnes qui sont dans la ville. Là, sur le city. Lame 37, 44, 48. 4 plus 1 plus 1 procédure du BCSO. 239 pour 13, contactez-moi TPH. Yes, 71, 72. Sud. La main d'or, on fait du patrouille en plus. 10-4 pour le 22. Et ouest direction Bay City. Et sud sur Bay City. Reprend ouest, 73-44. Sud au niveau du parking multicolore. 10-4. Est. Jour est, 80-84. Passe devant le musée. Toujours est. 10-4 pour 07. Et sous les échangeurs G6, 80-66. Et on arrive au niveau de la place des cubes. Sud au niveau de la place des cubes, 80-53 et reprend ouest. Nord au chantier, retour sous les échangeurs G6, nord. Fait demi-tour sous les échangeurs, au niveau du parking du MS, passe devant justice, direction sud. Santa pour le RI2, vous êtes seul sur le 10-1. 10-4. Madame 37, vous pouvez raccrocher. Et il y a Hector aussi. Mais, et 10-4 aussi. Ouest, au niveau du parking rouge. 10-4.
4. Hey, prends sud, le rond du Wiesel. Passe à côté du cerf, direction sud toujours. Hey, continue, ah, pardon, on a un kilomètre du cerf, et en route nord. 4 pour la dame Vendeur, allez-y. Madame 37, on réaccroche sur la traversée de l'IRI 2. 4 pour la dame 37. Pour continuer là. Sur Moukitaro est toujours direction nord. Animeo Light Invader, direction nord. Les appels sont là, sur la piste. Sur Light Invader, il prend direction ouest. Il prend sud. À distinct, plus en. On arrive aux anciens EMS, il descend sud sur Palomino. Il prend dans les petites ruelles, direction ouest. Puis nord. Aïe. Aïe. 50 des individus. 10, 4, 10, 20. 72, 67. 10, 26 au même endroit. Ça va ? Désolé. 70, 67. 10, 4. Ah, répondez pas tous à la fois, hein. Hein ? Tiens ? 22, 10, 23. Il roule encore votre voiture. Orange, on part ça, elle roule encore. Après, c'est plutôt que ma vision, mais. Ah, c'est les lunettes. C'est les lunettes. Vous pouvez raccrocher sur le 10-31 d'Adam 22. Vous êtes pas blessé, ça va ? 10-4. Non. Ah non, 37 code 4. Hein. 10-4 pour l'Adam 37. Alors. Fais du. C'était pour quoi du... Wery 2, tout va bien ? Avec sa vitesse. Oui, c'est ça, oui. Ouais, 10-4, tout va bien. Super... C'était pour le superette. Pour BE et Marie. Toujours en 10-26. Le conducteur il vient avec moi. Madame 01, code 4. Je vais prendre votre permis, monsieur, s'il vous plaît. Merci. De 01, je prends l'appel 6102 Yvelt. 10-4 pour la dame 01. Vous avez l'air tendu un peu, non ? Oh non, du tout. Ah, ça me fait chier juste de voir des. Des choses que je pense pas voir. C'est compliqué. Ouais, hein. 10-4 par la dame 37. La vue, tout ça. Tout. Vous avez déjà pensé à avoir un ophtalmo ? Ah, c'est pas moi le problème, je pense. Enfin, ah. Pas 50-50, je pense. Putain, vous êtes pas récidive, incroyable. C'est con, hein. À 2 heures près, hein. On peut patrouiller au niveau du barrage. C'est calculé, hein. C'est calculé, ouais, j'imagine. 4 pour la dame 01. La dame 13, direction Belize. 4 pour la dame 13. Vous êtes un indépendant ou vous faites partie d'un groupe, vous ? Sentinelle. Mais c'est une blague. Comment ? Ah, oh, rien, laisse tomber. Ouais. Vous avez des petites informations à donner ou pas ? Ça dépend quoi, enfin, là tout de suite non, mais. Bah, moi j'ai quelques petites questions à vous poser, donc si vous êtes coopératif. Moi aussi, hein. Oh oui. Madame, vous êtes trop à la plage. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de certaines personnes tentées de braquer les. Madame 37, désolé, pas du tout. Pas du tout, jamais. Bah, nous non. Ok. Les personnes que vous voyez. Hier j'ai entendu parler de ça, c'est etc. Pas c'est le genre de choses qui ont. Enfin, c'est pas des choses qu'on parle qu'on, avec les groupes, quoi. Ok. Ok, ok. Oui, il y a des petites mains ou pas Adam 13. Oui. Et oui, vous avez un nombre 10-4. Ça dépend. Il y a tout. Voilà, pas du tout. 10-5 comme 4 véhicules mis en fire. Comment ça, pas du tout. Pas sur ce point de braquer des forces de l'ordre. Des véhicules verts qui tournent vers la fourrière. Ah non. Plus 4. Adam 37, 10-48, 82, 0. Vous avez des armes ou pas? 10-4 pour Adam 37. Bah oui, vous amis, hein. Ouais.
On n'est pas sur vous là. Si. Vous avez le PPA. Bah non. C'est terrible ça. Ouf. On vit bien sans. Hein. Ouais. Comment vous avez fait du coup pour vous procurer ça sur mon PPA? Colin O'Dip. On en achète. C'est moi mais Colin O'Dip. C'est où? Soit des gens ont le PPA et ils nous fournissent, ouais. Et tout. Alors des gens qui ont le PPA qui vous fournissent, du coup je suppose qu'ils achètent à Lamination. Ah, des 9 mm. Mais les autres du coup comment? Ah, vous le savez, c'est notre groupe, hein. Je vous apprends rien. C'est qui? C'est d'autres groupes, je vous apprends rien. Bah si, moi vous m'apprenez tout, hein, vous savez. Non, vous savez très bien. Non, pas moi. Bah, le groupe. Mais vous le savez, enfin, quand je dis vous, le speed, vous le savez. Ouais, mais moi je sais pas, c'est pour ça que je vous pose des questions. Hein. Oui, mais enfin, je sais très bien que vous essayez de me mener en bateau, mais c'est pas un souci. Bah, non, pas du tout. Pourquoi je vous mènerai en bateau? Ouais. Un FDO qui sait pas qu'il y a des groupes qui vendent des armes sur l'île, franchement. Alors, je vous ai pas dit faut ça. Faut pas me prendre pour un lapin quand même. Hein. Je vous ai pas dit ça. C'est juste que moi, vous m'apprenez des choses parce que je sais pas tout. Oh, vous savez quand même qu'il y a des groupes qui vendent des armes. Bah oui, mais je sais pas quoi, ah, qui, menti, comment. Bah non. Ah si, vous m'avez dit que vous savez pas. Ouais, bon, si vous voulez. Et du coup, vous passez par. C'est pas un souci. Vous passez par qui pour des 9 mm du coup? Ça dépend, un peu tout. J'ai pas de fournisseur fixe. Vous avez une fourchette de prix hein? Pas du tout, je saurais même pas vous dire. Vous en achetez souvent? À l'occasion. C'est-à-dire à l'occasion? Mais c'est pas moi qui gère cette partie, donc je pense pas être le bon client. Ah, mais vous devez quand même avoir quelques... Je sais même pas, non, pour être honnête, j'ai aucune idée. Je veux bien être des trucs, mais là-dessus, j'en sais rien. Ok. Et vous, votre groupe, enfin, je suis désolé du coup. Ça pour le coup, je sais pas. Hein. Vous faites quoi, vous? BCSO, utilisation du FTC. Une bribe des supérettes, ouais. Des pharmacies et des magasins. Ok. Voilà. Si les drogues, tout ça, ça vous intéresse pas, vous? De temps en temps. Ouais, c'est dit, c'est bien pris. T'as dit quoi, attends, excusez-moi avec la radio ou pas? De temps en temps. De temps en temps. Et Adam 3744. 34 pour Adam 37. Adam 01, pour information, on est en patrouille au niveau des zones côtières. Sur quel type de drogue du coup? Palomino. Ça dépend ce qu'on nous fournit. C'est pas vous qui choisissez hein? Non, c'est pas nous. Ok. Et c'est quoi ce qu'on vous fournit le plus? Cocomet. Et 10-26 de Adam. Et comment 22, ça marche du coup? En 71-83. Dans quel sens? 10-20. Enfin, je vois qu'on vous avez besoin 30, de. 10-4, merci. On de... laissera tout bon de l'autre côté. Hein. Ouais. Quand vous avez besoin 10, de 40, stock, vous appelez bloqué. Quelqu'un et. Ouais, c'est Adam ça. 37, 10-40, sub Black Cat. Début de 10-31. Et vous payez du coup? Adam 3 on a PTP et soutien, justement. 10-4 pour Adam 37. Vous prenez quelle quantité? 10-4 pour la dame 13. Ça dépend. Après, je vais pas tout vous dire. Hein. Ah, peut-être au moins la quantité, et puis après on arrête là. Bon, j'ai donné pas mal d'infos. T'es sûr hein? Oui, dire, c'est pour gagner 2000 balles sur une amende, franchement. Ça marche. Franchement. On... Oh bah, j'arrive. Oui, on a arrêté quelqu'un d'élite fuite pour braquage, tout ça, tout ça. Et ouais, fais la rapide parce que moi je suis en 10-26. Hein? Je suis en 10-26, mais dis-moi. Merde, y'a pas notre sergent dispo? Non, vas-y, dis-moi. Ouais, le mec il est coopératif donc il est patient, il répond aux questions. Ouais. Et quoi comme casier? Ça va, il est pas si rempli que ça en vrai. Genre combien de lignes? Je sais plus là, j'ai plus sous les yeux. Une dizaine ou genre 3?
Non, pas 3, mais je sais pas, ouais, entre 5 après, et 10. Vecteur pour centrale, si vous avez vent, c'est on peut délit 8, avoir une Adam se traquer pour va devoir arriver ou juste... Non, juste délit 8. Discord, c'est bien compris, Adam, t'es loin, vous pouvez raccrocher sur 71-83. Interlune. Tu peux retirer des points ou pas? Adam 0, Discord, on est à 4 combien km. 5 bah, interlune. C'est combien, interlune? Qu'est-ce qu'il y a une autre unité disponible? Interlune, c'est 6. C'est pas 10, 5, Adam 0. Oh, je vois ça. C'est la moitié du truc, donc si c'est la montée, c'est la moitié du temps. 19. Pas où 14, ouais. Ah bah oui, bah ça c'est... Ça, il faut pas faire les délits de suite. Hein. Ça marche. Oh bah plus tard. Ah, je connais bien ça. Nickel. Ouais, ouais, voilà. 2, tout va bien. Du coup, on va partir sur une interrune, donc ça fait une amende à 3000$, c'est ok? Avec un retrait de 6 points. Avec un retrait de 6 points, du coup, aussi sur votre terme. Ça marche. 10-4 pour de l'SPD pour Griffon 10-4, gardez-le en visuel, on va prendre notre distance 1, je vais vous envoyer une idée. Il reste un point du coup si je dis pas de bêtises. Griffon 10-4. Ouais, nickel, c'est ça. Adam 13, 10-50-71-9, d'action. Comptez bon. 10-4 pour Adam 13. Hop, je voulais signer le petit papier. Yes. Bien, merci beaucoup. De Santal pour URI 2. Si merci pour votre coopération du coup. 4-4 sur le 10-4. Pas de soucis. Laisse rejoindre notre collègue. La personne est en train de monter dans le véhicule. Ah, c'est tout bon. Ok, parfait. C'est une bonne soirée, mon courage. Sultan qui vient d'écraser un concitoyen. Partez sur le 31 avec Griffon sur le et la Phoenix est en train de quitter la zone. Hop. Escorté par une Sultan. 37, on doit aller passer au Benix. 10-4 par la Dame 37. Et le 8-2, code 4. 10-4 pour le RI2, raccrochez sur le commune s'il vous plaît et annoncez-vous. 10-4. De Viry, on va raccrocher sur commune. Ils sont où? Une idée. Dans le niveau du casino, ils vont passer okay. Devant le casino. Pourquoi la voiture elle a un nion comme ça? Elle a quoi? Bah, l'avant gauche, il est un peu. Ils ont pris le chemin. Bon, on a un peu tapé avant pour l'hippodrome. Peut-être pas, j'ai repris le volant, des fois on voit pas la même chose. Ah. Les directeurs ont décroché du contrôle suite à l'arrivée de la dame, mais ils ont 19 pour refuel. Par l'état. Elle fait un dame devant 48-71-93. Ça va, cher, désolé, je suis à fond. Le Griffon 72-91. Ça part de quoi la base, leur truc là hein? URI 2, vous me confirmez être seul véhicule au sol sur le 101. On est en train d'essayer de raccrocher. Les deux véhicules sont ouais, non, on va pas raccrocher. Aïe. Oh putain. URI 2, 1050, 72, 45. 10-4, tout va bien. Au niveau du parking du casino. Oh, on est bien là. La Phoenix essaye de se cacher. Avec quelle soirée de merde. Pour les unités qui sortent de Benny's, il m'en faut une qui raccroche sur le. Toujours au niveau du parking du casino. Elle a éteint ses feux. Ça va aller. Ah, l'âme 37, 10-5, 37-28. 10-4 pour Tarnet. Peut-être appeler Beniz, hein. L'âme 13. Bon, on est coincé là. Bah, je sais pas, mais j'ai peur de la descendre là. Hein. FX est toujours sur le chemin qui mène à l'intérieur du tournoi. C'est planqué sous le petit tunnel. Jusque. On est sorti en premier, mais. Ah. J'allais dire, peut appeler le Benny, mais non, tant qu'elle est en bas, autant. Bah, pas trop tard, hein. On va y aller, ouais. Donc, je crois qu'on s'est mal compris. Ah, tant pis. Ils font 10-4 et une unité SASP est déjà sur place. C'est bien pris. Elle part tellement en steak, la coquette, avec les boss. Le Griffon, l'individu est parti en course. Ah ouais, ça le cher. Il est au niveau du circuit. 200 tapes pour URI 2, 10-20. 71. 94 direction Betty. 10-4. Deux unités SSP qui courent après. Ouais, je suis là l'après-midi aussi. En général, vers 15h, je suis là. Il arrive vers l'entrée du casino. Et Marie 10-48 Fourrière. 10-4 pour Marie. Adam 37, 12-23 PDB.
34.37. De Griffon, l'individu est entré dans une Sultan qui est en train de partir direction nord, elle a coupé ses feux. La Sultan, c'est ses complices. Pas sans blague. Et ils sont direction nord. Ils font demi-tour au niveau de la freeway. Et prennent direction sous l'échangeur. Sur la freeway devant vous, les speedy. Ça me dit rien, Zalcher. Post 4, ça continue. Et de 37 à 18. Passer le radar. Post 4 pour 37. Ça prend la sortie. Ça prend une direction est sur l'autoroute. Ouais, non, bah, c'était pas moi du coup. Sinon, je m'en rappellerai. Pas toujours direction. Et Marie, qu'est-ce que c'est à la première? 10-4 pour Marie. Ça va prendre la Palomino Freeway direction Est. Eh bonjour. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va? Et vous? Allez, viens voir. Ah, tu me donnes 25 minutes, toi, laisse tomber. Ah, tu le prends en rouge. Hop. Voyons voir. Direction point fuchsia. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la belle? Je sais plus si c'est un poteau ou un mur qu'on a tapé. Passe le point. Il y a une différence entre les deux. Ça c'est changé en Marshall. Merde, tu peux quitter le carrosse. Ça n'a pas l'air d'être bien grave. Une petite. Un peu défoncé à l'avant. Le point bleu. Monte direction la supérette. Je suis juste allé chercher Ben. Des petits kits carrosses. On s'entend pour la nappe d'un autre, je suis à vous. Ah, 10-4, 10-26 sur la fin. 10-4. Hop, je reviens. Bon, pas la sortie, Volt, toujours direction point vert. Ah, oui, carrément, quoi, ça n'est de la shafter. Bonsoir. Bonsoir. Passe toujours direction le point vert. Passe le point vert. Et c'est. Hein? Et bah écoutez, c'est tout bon pour moi du coup, si mon collègue a tout fait. Merci beaucoup. On a fait la carrosse, c'est tout bon. Ouais, beaucoup à vous. Bonsoir à vous, à bientôt. Oui. Et bonsoir. Et bonsoir. 982 code 4 Benny. On est sorti pour des. Allez, on retourne sur la forêt direction pour le. Ah. Et toi, Volo? Passe le point E. Qu'est-ce qu'il raconte, Moya? Arrivé au point G. Ouais, je sors de là. En ouest au point G. Allez, faire demi-tour. Allez, remonte nord point G sur le droite. Passe le radar point H. Et de Griffon, on doit décrocher pour Ethiol. Oui, bien pris. Toujours direction sud, 2054. Ah, de 02, quelqu'un pour récupérer son plan. Direction sud. 01 à 105. Arrivé au niveau du point G. Cool. Et continue ouest, direction Carwash. Répétez quoi? Désolé de quelqu'un pour récupérer son trap.
Ah, 22-10, quelque chose, on dit sur ouest. 10-4, Trémarie 19. 39, fin 16, et je suis partant aussi. C'est 10-4, 39, merci. Centrale 02 devient Centrale 39. Chez Volo. 10-4, toujours ouest, on arrive à son Duchamp. Je suis dans mon TBE rapidement. Ouest. De 16, c'est normal qu'il y ait une zone d'arrêt devant le magasin à côté du PDP. On est en barrage en 30-28. C'est bien pris. Zone d'arrêt. Ça arrive, j'ai vraiment aucune idée. Ah ouais. 2-0-2, je vais voir la paix. Il me semble qu'il y avait un AVP là-bas il y a bien une heure, ils avaient dit ça, mais fait. Je me rappelle plus quelle unité c'était. Parce que je l'avais vu aussi quand c'était en AVP là dans le coin. Donc. On arrive à l'entrée du coin des Lost. En direction du coin des Lost. On est devant le coin des Lost, direction ouest. Hein. Continue toujours sur la petite route. Arrivons en 10-90. Top pour Hector. Hector, côté du PDP en 80-45. En 10-90, direction la freeway. Hop, voilà. Top pour PE. VE en procédure. Arrivé en 10-94. Sud de la rivière. Ouais, carrément chez, ouais. Mais. Pas bien quoi. On prend le pont en 10-96. On est passé au nord de la rivière. 2-0-2, impossible de retirer la zone de vitesse. Hector, bien pris. Oh, faut que ce soit la personne qui l'avise qui l'enlève, sinon c'est compliqué. Il y a 10-4. Ça a dû s'arrêter. Partant 10-31 pierre. On se tient sur la route. Il y a deux griffons, on est de retour sur la CP. Pour Griffon, il y en a un qui suit la route et il y en a un qui doit être parti dans la Pampa direction 1001. Je traîne 0, à 10-6 de 2 minutes si on peut après se rater à coup là. Ouais, pas de soucis. Ils ont 6 d'un avis 2, 10-6 au PDP Vinewood pour quelques minutes. Et pour SSP, raison du contrôle déjà. 2 stress si je me souviens bien, vol de véhicule et quoi. Griffon, c'était un vol de véhicule. Très bien pris. Prêt pour Marie. Refuel de Vespucci. De SPD, on a le voleur de voiture en eau. 10-4 sur le contrôle, Adam 22. La voiture appartient à Skin Drake. Adam 22, contrôle presque terminé. 2-0-2, 10-6. 10-4. Oui, ouais, c'est bien ça. Skin Drake. Strap, Adam 01. Adam 01,
sécu 71-83. 10-4. La voiture porte un sucre qu'on a chopé du coup. Et de Marie, on prend le dernier magasin. Parle 10-4. Là, c'est tout bon. Allez, c'est parti, là. Duéry 2, fin 16. Prends le 10-4. Et la 13, on est en 10-26 en 11-01. Prends le 10-4. Ah ouais, ils sont loin. Oui. Je crois qu'ils sont été dans le nord, il me semble. Non pou, pou, pou. Oui. Mode de code 4. 10-4. Madame 01 code 4, c'est 19. 34. Et la mode 19 aussi. Et de Marie 10-23, on part en 10-31 sur une Sultan jaune et verte sur plus 1. 10-4. On reprend ensuite sur Power Street. Ah bon. On est loin. Du Viri 2 en raccroche, ils sont passés devant nous, Marie. 34. Qu'on est juste derrière vous. S4. Toujours sud. Et ça reprend ouest. Et 10-5. Tout va bien. Les deux, on a une des maris qui a eu un 10-50-80-64. Je suis désolé, monsieur, vous allez bien? Bonsoir, désolé, c'est la police. Non, non, mais il n'y a pas de problème, j'ai compris ce qui s'est passé. Ouais, oui. Je suis désolé. Tout va bien. La situation est under control, le sol est froid, c'est agréable, ça fait plaisir. Ouais, c'est pas ça un truc de fou, hein, parce que moi j'ai vu qu'on est rentré dans le mur et après on est retourné en arrière, je sais pas comment t'as fait. Ouais, on est d'accord, on a vu la même chose. Ouais. Moi j'ai gelé le temps d'un instant. J'ai fait une rime. C'était pourquoi quand. Suivez de base. Un tatoueur. Tatoueur. Mais c'était bon de tatouage, je pense qu'on faisait faire. Ouais. Se mettre un peu plus que trop tard. Ouais, y'a pas de soucis. Bon, très bien. Toi bien. Je suis bien. Plus du collègue. C'est qui qu'on lisait? Ah, bien. Oh, je vais m'occuper du conducteur, du coup. Un avec moi, monsieur. Bah moi je m'en souviens. Alors votre pièce d'identité s'il vous plaît. Ça donne une possibilité, oui. Ah non, c'est pas où déjà, oui, non. Il est où déjà ma pièce d'identité? Bah elle est là, voilà. Dans votre portefeuille généralement, hein. Merci. Ah non, ça c'est le permis. Excusez-moi, je me suis trompé. Ça, vous avez pas oublié ça? Bah j'ai eu un petit peu mal quand même. Mais qu'on appelle les médecins? Oh, je pense qu'on devrait le faire, oui. une petite poche de glace et ça passera. D'accord. 17 et 39 en madame centrale, une patrouille en scout. Ouais, c'est bizarre. Alors, parce que moi, votre collègue, je le vois tout là-bas, à côté tout au fond. Alors que votre collègue, qui est encore debout... Ah, il est au nom de mon collègue, ouais. Ah, c'est pour ça, je comprenais pas pourquoi. Oui, bon, bref, Ouais, ça arrive vite, les accidents en moto, malheureusement. On va dire que c'est le choc et que je le vois pas au bon endroit, le monsieur. Ou la madame, je sais pas. Ouais, c'est trop, quand je suis en bas, Nice 40. C'est quoi que vous avez braqué? Ça a été un tatoueur. On n'est pas sur une récidive, hein? Pas du tout, non. La chance. Un central 10-23, une Sultan orange et on part en 10-31, ça va plus simple. Nice 4. Alors, hop. Vous êtes parti d'un groupe, vous, monsieur? Pas du tout, non. Je suis indépendant. Ok. Vous êtes d'accord pour répondre à quelques questions? Bon, on pose les questions toujours, on verra bien. Et après, je sais pas si vous avez des informations données de vous directement.
je sais pas, plus d'informations que d'habitude, mais peut-être que si vous avez des questions pour éclairer des choses, peut-être que vous aurez des réponses en fonction de votre question. 22, 18, bonne soirée à tous, bon courage. À part les braquettes, vous faites quelque chose d'autre ou pas du tout? Moi, je fais un petit peu tout, oui. C'est-à-dire? Moi, je fais de la vente. Des fois, ça m'arrive de voler quelques voitures. Mais ça, c'est parce qu'il y a un de mes agents, il m'a dit que les vols de voitures, ça rapportait beaucoup. Du coup, je me suis mis. Ah oui, d'accord. 10-4, bonne soirée à vous aussi. Ouais, ça a été... je sais plus comment il s'appelle. Je me suis oublié son nom. Voilà, oui, vous avez dit ça. Bon, je sais pas, parce que moi j'avais déplacé une voiture qui était sur le parking public de la plage parce que je pouvais pas sortir ma voiture. Et puis ils sont arrivés, ils ont dit ah, elle a été volée, tout ça. Et puis je dis bah non, moi je vais pas voler, surtout c'était une panto. Je dis bah quoi ça va me servir de voler une panto. Mm. Et là il m'a dit ah bah vous savez, sur le marché noir, les pièces, tout ça, ça se revend cher. Je dis ah bah merci pour le tuyau, du coup je m'y suis mis. D'accord. Comment vous avez fait pour trouver un contact du coup? Moi j'ai posé des questions. Okay. Oh, discrètement, j'ai pas non plus fait une affiche, une pancarte en disant je cherche à voler des voitures. Ouais, j'imagine, ouais. Et vous faites ça avec votre ami ou juste vous faites des braquages avec lui? Non, pas avec lui, non. Non, lui, je fais juste des braquages de temps en temps quand il est disponible. Ok. Non, bon, le braquage de voiture, bon, des fois je fais ça tout seul, ou des fois avec d'autres personnes, mais on sera des bons à des moments. Et les autres personnes, elles font quoi du coup avec vous? Pour les véhicules? Elles montent avec vous dans le même véhicule et puis vous partez comme ça? Ah non, elles conduisent parce que forcément si on vole les véhicules, après qu'on revend le véhicule ou les pièces... C'est vrai qu'il faut être de véhicule. Faut repartir parce que sinon faut... C'est pas bête ça. Ouais, c'est pour ça qu'à tout seul c'est plus compliqué parce qu'après faut marcher, courir ou alors emprunter un vélo électrique là, dans les bornes. Ah ouais, relou hein. Ouais, c'est sport, relou. Hein, ouais. Ouais, c'est chiant, sergent, ouais. On perd du temps et puis comme le temps c'est de l'argent, bah, on perd de l'argent. Je suis sur place. Après on a des bonnes jambes. Et on tient la forme. Mais bon. Ouais mais bon, faire ça tout. Ouais c'est ça, l'argent c'est bien aussi. Et si jamais, admettons, vous voulez un véhicule et il y a la police derrière vous, votre ami il va faire quoi avec son véhicule derrière? Il va sauver ou il va nous empêcher de travailler? Oh, généralement, celui qui est en plus, il laisse faire. On va dire qu'il n'intervient pas, parce que c'est qu'on intervient. Parce que s'il intervient, ça veut dire qu'il va prendre une amende pour... pas pour outrage, mais pour interférence de je sais pas quoi, là, de l'intervention. Ouais. Bon, du coup, ça sert à rien d'intervenir. Autant okay. Laisser l'autre partir, soit le gars il a une voiture qui est ok, ou une moto, et du coup il peut partir en CP, soit c'est une voiture toute pourrie, et puis bah, juste on s'arrête et. Et bah voilà, des fois on est pris, des fois on n'est pas pris, c'est comme ça, c'est la vie quoi. Et comment ça marche dans votre contact, si vous envoie un message, il vous dit je fais ce véicule là? Très par M13. Bon, il y a une façon de le savoir, mais je pense que j'ai déjà été parlé beaucoup. Ça, je le dirai pas aujourd'hui. Peut-être que l'édition numéro 2, si vous me rachopez une autre fois, okay. Peut-être que je vous le dirai. Centrale pour URI2, strep. Bon, c'est que je vous utilise tout d'un coup, c'est pas marrant après. 10-4, 10-20. 81, 64. Ok. Centrale 10-4. De 30, il y a un sergent dispo TPH s'il vous plaît. J'arrive. Oui, hein. Prêt pour Marie. Allez, Marie, ils sont avec nous sur le 10-26. Central 10-4. Eh, hey, bonjour. Et bonsoir, sergent. Bonsoir. Central 10-4. Eh, hey, du coup. Bah monsieur, coopératif, hein, y a pas de soucis, hein. Ouais. Vous voulez qu'on se décale un peu? Ou comme vous voulez. Ouf. Bon, je vous laisse discuter si vous voulez, je me mets contre le mur. Oh non, non, mais moi, y a pas de soucis. Il a répondu à quoi? On a discuté un peu des vols de véhicules, je me suis fait ça aussi. Ok. Il m'a dit que des fois il le faisait avec des amis, ça dépend. Il fait tout seul, des amis.
Juste un petit peu de comment il procédait si son ami venait arriver sur les lieux et que monsieur partait en course poursuite avec le véhicule volant. Mm-hmm. Si son ami nous empêcherait de faire notre travail ou pas. Mm-hmm. Globalement, c'est... Ok. Allez, monsieur. Attendez, je crois que j'ai des trucs. On va pas être chiant, on va mettre un terrain cette fois-ci. Ok. Voilà, je te laisse terminer du coup. Hop. Mais du coup, on va partir sur une amende de à 4 000 $, c'est l'interrune. Bon, quand même, très bien. Marche. Avec temps, raccroche sur le dernier discount. Contrat 10-4. BE, vous continuez en BE. Hop, je vous laisse signer le petit papier. Et 10-4. Ah bon, c'est bon. Et aussi, je vais vous demander de vous mettre contre le véhicule que je puisse poser une petite fouille aussi également. Ah, je pensais que vous avez oublié. Bah non, j'oublie jamais, ouais. Speedy pour les tests, on aurait besoin de juger. Vous avez quelque chose qui peut me blesser sur vous ? Bon, pas grand chose. Donc, si vous faites attention, ça devrait aller. Il y a 10-23 véhicules. Vous êtes bien équipé. Ah, 10-4, patientez, on n'a pas d'unité terrestre. Bon, il faut être paré à toute éventualité. Ah oui. 10-4. Ok, bon, je vous ouvre le véhicule. Posez tout ce qui est marchandises volées, liasses et puis le truc que vous avez pris pour braquer le plateforme, s'il vous plaît. Je dis, c'est bien pris, on a déjà Hector sur place. Ça marche. On a un mode de baseball. Bon, aussi de l'autre côté, si jamais. Ouais, je vais bientôt finir. C'est bon, c'est tout. C'est bon. J'ai une petite fouille de vérification et puis vous pouvez repartir du coup. Ouais, de Hector pour commune, le discount 73-26, Sultan. Enfin, Sultan. Ouais, c'est tout bon pour moi. Histoire violette. Ah, merci beaucoup pour votre coopération du coup. Et bon, nickel. Pas besoin de votre ami. Mais c'est tout bon du coup. Ah, ok. Parfait. Nickel. Eh ben allez, bonne soirée, messieurs, faites attention à vous. Merci à vous, ça y est, mon courage. Ah, bon, alors, bonne soirée. Oui, c'est bien pris. Juste voir. Vous voulez qu'on reprenne des deux moteurs ou bien ça va non, aller Non, c'est bon, tout est bon. Bien. D'accord, moi ça bouge. Bah nickel. Et bah let's go. Ah, bon courage. Ouais, ça allait pour reconduire. Merci. Oui, ça va aller. Ok. BSSP, Griffon Angers. Et 10-4 BCSO. Ouais, quand on pense à poser les saisies, moi j'ai encore celle de l'arrestation d'avant. Les personnes ont l'air de se rendre et sont sorties du véhicule, sur le toit du véhicule. On est DSASP, on est à 1 km. 10-4. Lurie 2, code 4 et 10-19 hein, pour dépôt de saisie. Central 10-4. Non, le bas de la carte, ça fait l'ouest. Hein. Oui, c'est ça. M'arrive-vous. Confirmé 19. À 10-4 qui part à 10-31. Pas 10-4. Là, ça fait le sud, donc là. Mais non, c'est l'ouest, ça. Ce qu'il m'a dit en fait en bas à gauche de la carte. Bon, l'info, c'était pas très précis. Après, il m'a donné une couleur, donc à cet endroit, ça peut être qu'un groupe. PDP. Coopératif, interrune. Il m'arrive, c'est 23 PDP. 3h10, ça. Perte de visuel au niveau des canaux. Je sais pas si vous les avez vus, Hector. Ça a pas marché. Il a pris sous les échangeurs dans les canaux. De Hector, sur commune pour Adam et SASP, j'ai vu qu'il tournait dans les canaux vers le sud, mais j'ai perdu le visuel direct après.
Écrit de 02 fin de 16. Central 14. SASP, pas de reprise visuelle, code 4. Et Hector, c'est bien pris, merci à vous SASP. Et de Hector, 10-19 pour 18 de Hector. C'est 4. 2-8-2, code 4. 2 code 4 sur quoi? C'est dépôt de saisie. Hein. 10-4 en tant que central, je m'en fiche un peu. Bah, on les a mis au PDP, donc moi j'ai pas touché le dispatch. Vous voulez dire reprise de patrouille, RID ou pas? 10-4. Ah, 10-4, c'est quoi ça? Sur commune, Hector, fin de patrouille. Mmh. BCSO, c'est aussi bien pris. SP 10-4. On en a fait pas mal d'arrestation ce soir. Hein. Pardon, j'étais sous mon truc. Ah, justement, on en a fait pas mal d'arrestations ce soir. Hein. Oui. Je crois que j'ai les 2-3, donc pas mal. Mais il y a des soirs où j'arrête rien du tout, des fois pendant quelques jours, puis des fois après c'est tout d'un coup, donc. Non mais il a peut-être donné une info importante, le gars que j'avais, du coup. Ah ouais? Il y a des gens qui ont proposé de racheter PDC, mégaphone et radio de LDO. Ah oui, d'accord. J'ai posé la question s'il y a des gens qui se vantaient de braquer, puis après il m'a dit ça non, mais il y a des gens qui m'ont proposé de me racheter du matériel, par contre. Il n'a pas voulu préciser tellement, il a dit que c'était en bas à gauche de la ville. Arrêtez avec ce son, hein. Sud-ouest. C'était bien en rouge, donc j'ai demandé Stelser qui a dit je peux pas vous confirmer. C'est pas mal comme info, hein. Mais ouais, bon, après, en rouge de ce qu'on a dit, ça peut être pratiquement que le cercle. Mais maintenant, on a plus à pieuvre qui est en rouge, donc après, c'est vrai que c'est pas sûr à 100%, il a pas voulu me le confirmer, mais c'est déjà pas mal. C'est vrai qu'on pose un peu à tout le monde cette question, on aimerait bien savoir qui rachetait, parce qu'à un moment c'était des PM qui avaient braqué les FDO, donc on n'est pas trop loin. Mais... 8-2 en sens sur une 10-40 à kilomètre. On parle 10-40. Non, allez, lui arrive. Je me rends compte qu'il n'y a plus que mon URI, donc je ne sais pas pourquoi on passe pas en URI 1. Mais... De 10-23, sentinelle classique white body violette, deux individus à bord. Et on part en 10-31 sur plus 1. Central 14. Après en est. Sergent, dispo, équipage pour une décision s'il vous plaît. C'est très bien. Appelez-moi. Ouais, vous voulez. Et 10-4. Ouest. Une heure, on repasse dans un sup. 10-5, reprend ouest, 71-70. J'ai vérifié s'il m'entend cette fois. Oh non, pourtant on a la bonne radio. West, 71 heures, part sur B City, prend sud.
ouest, et est, pardon, et sud dans les petites ruelles, direction supérieure, 10-5, fait demi-tour, reprend ouest, Bay City et nord, Bay City. Et est, 72-17, et reprend sud dans les petites ruelles. Marie 05-10-23-Bénis. Répétez quoi ? Marie 05-10-23-Bénis. 72-18. Sur Bay City, on vous aura fait bien tourner dans ces petits coins. On prend S devant le Spirit Black Cat. Sud, un vieux panto au niveau des canaux 99, direction Est. S devant le thème asiatique. Restez prendre nord 8037, passez direction Wesel News, on passe devant le Wesel, et est devant le Wesel, sud au niveau du chantier Wesel, et reprend est direction Béni, et nord au niveau du chantier Béni, toujours nord direction chantier G6 sur joueur. Continue tout droit sur Alta Street 10-5, en est dans les changeurs G6 et sud, passe devant G6, demi-tour sur les échangeurs, reprend nord et passe dans le parking G6 80-35 et nord direction EMS, on passe devant les EMS. L'autoroute niveau des EMS, direction Est 80-40. Les rives pour centrale, c'est possible d'avoir un 10-24 sur 10-31 De centrale, je m'en renseigne. 10-4. Pour sud, 30-30 au PDP au Bénide. Voilà. Vous pourrez accrocher le 10-31 après. Vous dites là si vous voulez. Sud, au niveau de la parking à Syrie. Fait des Marie 05 à 19. Et reprend ouest. Tourne autour du parking à Syrie. J'ai eu peur, je crois qu'il allait pas bien. Et les petites ruelles nord, 93-18. La même presse que la Bénise, 10-31, en approche. Aïe. C'est rentré dans les canaux en 93-23. J'arrive pas aujourd'hui. Ça va ? ERI 2, perte visuelle, en tour des entrées des canaux 93-23. Ça va ? S4. Pour moi, elle a pas tapé très fort, je pense. On a peut-être pas vu non, la même mais chose. Non, mais bon. Ah, la centrale 4-4. Mais là. Répétez, centrale. Centrale, code 4. C'est bien vrai. Code 4. Centrale, pour 16, vous êtes toujours au PDP ? Répétez quoi ? 4, il est au PDP. Je vais faire un petit 18, moi. Ok, ok. Je serais réparé avant, du coup, c'est l'encre ouvert. Ouais. L'encre ouvert, le béni. Je pense que je vais 40, m'arrêter aussi là, du coup. 40, vous êtes reparti en BE. 4, là.
Nurita. Centrale pour le 10-31 en cours, on confirme 4-4. 4. Juste pour ce soir. Ça part à l'eau. Et bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir. Hop. On entend dire sur la plus 1 cette fois. Ah bah ouais, on apprend au fur et à mesure à. À doser. Bonsoir. Les deux carreaux. Hop. C'est mort, c'est tout. La nuque est marguée. Allez, c'est tout bon pour celle-là. Et bien, écoutez, bonne soirée à vous. Et bonsoir, au revoir. Merci beaucoup. Merci de même. Oh, je me tâte à y aller sur celle-là. Ah, notre raison est chelou, par contre, je sais pas. De Berry 10-19. Ah, vous avez pas envie. Ah, mais je vais m'arrêter là. Quoi, quoi. On a encore 18 en service, j'en ai tellement pas l'impression. Ah oui, on reste juste, on a 2-3 au bureau, 2-3 en revue aussi, donc. Ça fait calme, le con. Nous on est que. Non. Ouais, maintenant on va partir, on sera plus que 6 sur le terrain en soi, donc. Et du RI 10-3 PDP. 10-4. 16 pour 17, je vous ai transmis votre carte de syndiqué. 10-4, merci beaucoup. Vous allez voir, je crois que c'est le truc toujours fait au crayon. Mais... Oui. Ah, possible, mais. Alan 13-10-23. Centrale 10-4. Merci. Sentinelle classique violet rose 10-31. Yep. Je sais que vous avez fait au crayon, mais c'est 10-4. Tout. Bonne soirée, bon courage. 10-4. Le commissaire, c'est un 18, faites attention à vous et à demain. Central 10-4, bonne soirée à vous. Bonne soirée. On va en profiter que c'est. Oui. Se coucher tôt pour une fois. 26-18, bonne fête soirée. Central 10-4. Bonne soirée. Et 30-18, bonne soirée. Central 10-4, bonne soirée. Et bonne soirée.
Quoi pour BE? En patrouille 82. Ouais, au dodo. Ça doit être ça, Othelli. Je me suis fait la même réflexion quand j'ai entendu le... Bonne soirée. Merde. Ça, je voulais faire. Ah, mais si, j'ai rien compris. Ah, en colère contre la porte de fou. On était 18 il y a 2 secondes, on est 10 maintenant. Enfin, ils sont 10. Et hop, ça se ferme, ça se ferme. Hop. Musique. Ah, c'est ça Kiki. Qu'est-ce qu'il fait au milieu de la route lui? Oui, c'est normal, on doit pas les prendre jusqu'à dimanche, obsession. Il m'a fait trop peur le drogure, comment il a foncé dans le mur. Bon. C'est à demain après, chat, pour la suite. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. C'est un petit stream aujourd'hui comparé à d'habitude.
Hop là. Ah, ça dégage. Hop, hop. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée, chat. À demain après-midi pour la suite. Prenez soin de vous, reposez-vous bien. Ah, des bisous, ciao ciao.